Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour dresser un bilan de l'intrigue principale de Diablo 4. Je sais que vous avez entendu cette vidéo avec beaucoup d'envie, mais c'est vrai que je me devais de finir tout ça et de bien préparer. Toujours un petit peu dur aussi parce qu'on a la tête dedans, on est les émotions. Les émotions sont toujours un petit peu nous font oublier, on va dire, le côté un peu plus objectif et on va essayer de l'être, même si ça va être difficile. Évidemment, donc j'ai pas encore fait pour un petit rappel, ça sera surtout bien sûr une vidéo sur le lore, sur l'histoire de Diablo 4. Et globalement, eh bien, c'est très positif, hein. Soyons honnêtes, c'est très positif. Cette vidéo va spoiler, cette vidéo n'est pas là pour faire l'histoire de Diablo 4. Ça, il y aura des vidéos annexes qui parleront de Diablo 4. Je pense pas que je ferai un gros bloc sur Diablo 4, je pense que je pourrais aller un peu plus tranquillement en faisant épisode acte par acte, probablement, juste peut-être l'acte 3 et l'acte 4 les fusionner. Mais là, l'objectif, c'est avant tout, voilà, de parler de mes impressions de manière générale, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui est plutôt de bonne facture ou les moins, on va dire. Des fois, ça peut relier avec ce que j'ai aimé ou pas d'ailleurs. Et globalement, déjà en termes de gameplay, hein, puisque en termes de gameplay, j'ai vraiment le jeu, je l'ai trouvé vraiment très bon. Moi, mes attentes sur un hack and slash sont pas énormes non plus. Je suis pas un joueur gros haut level machin, finir premier du ladder, ça ne m'intéresse pas. Pas sur un hack and slash, donc en niveau gameplay, globalement, c'est est-ce que je prends du fun, est-ce que je m'amuse. J'ai joué plusieurs classes, même si je me suis quand même concentré avant tout sur le rogue, et globalement, j'ai bien aimé notamment les effets d'impact des sorts, etc. J'en avais parlé sur mes premières impressions, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je le rappelle aussi, il me manque les quêtes secondaires, donc j'ai pas fini toutes les quêtes secondaires, etc. Donc au niveau de l'intrigue, je reste concentré sur l'intrigue principale, même si bien sûr, les zones où j'ai fait des quêtes secondaires vont forcément me faire un peu plus, si en tout cas elles sont positives, me faire parler peut-être de certains points. Je pense à Skaos Glen, évidemment, où les quêtes secondaires ont un impact important. Mais dans tous les cas, rappelons un petit peu Diablo 4, puisque revenons sur le contexte de base Diablo 4. L'idée de Diablo 4 est assez intéressante. J'avais déjà loué, j'avais déjà vanté les mérites de Diablo 4 à ce niveau-là, c'est le contexte guerre du péché. Si vous ne savez pas ce qu'est la guerre du péché, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais globalement, je trouve que c'est un excellent choix, puisque l'idée, c'est de relancer la saga. On est sur un quatrième opus. Si vous connaissez un petit peu les films, les séries, tout ça, c'est toujours, enfin surtout, c'est surtout filmique ça au final, qu'on retrouve dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que généralement une trilogie, le troisième va revenir et faire des échos au premier. Dans le 3 par exemple, dans Diablo 3, vous aviez ça avec Léa, hein, Aidan, le rôdeur noir, tout ça, Léa qui au final est la fille d'Adria et d'Aidan. Il y avait cette idée de conclusion, Diablo avait été la première menace, finalement il est la conclusion de Diablo 3, il y avait ce côté très filmique, très trilogie, et Diablo 4... La difficulté quand on relance justement une saga sur un quatrième opus, c'est de tomber dans une espèce de redite, hein. On a vu ça avec Star Wars 7 par exemple, c'est toujours un petit peu difficile de relancer une saga, et donc eh bien, c'est là où un univers qui s'agrandit, enfin quand on a, on va dire, des parallèles vis-à-vis de l'univers étendu, ça peut être très intéressant pour essayer de cet univers étendu qui était un peu loin, eh bien, de le rendre plus accessible et qui va nous permettre d'avoir une narration plus importante et une intrigue qui se base sur l'univers étendu et qu'on va faire connaître au plus grand nombre. Et ça, pour le coup, bah, le choix de la guerre du péché qui à la base est juste roman, bah, en fait c'est bête, mais ça met sur un pied d'égalité un joueur qui a fait les trois Diablos, qui a tout saigné, qui a commencé avec Diablo 1, et un nouveau joueur qui ne connaîtrait pas tant que ça l'univers de Diablo. Alors bien sûr, celui qui a déjà joué à Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 limite pourrait s'en offusquer, en mode, bah dis donc, c'est pas normal, moi je connais bien Diablo 1, 2, Diablo 2, Diablo 3, et cette intrigue, bah je comprends, enfin je la connais pas. Mais d'un autre côté, bah, ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Alors Diablo 3 avait réussi aussi à faire découvrir la licence à beaucoup de joueurs, bien sûr, mais Diablo 4, c'est vraiment une de ses optiques de faire en sorte qu'un nouveau joueur puisse accrocher à la licence Diablo grâce à Diablo 4. Et donc, eh bien, c'est un nouveau départ assez parfait. On a une très grosse ellipse entre Diablo 3 et Diablo 4, 50 ans, je le rappelle. Chronologie sur Diablo 4, enfin, chronologie sur la licence Diablo plutôt, si jamais ça vous intéresse. Et en l'occurrence, eh bien, utiliser la guerre du péché qui est probablement la trilogie de romans de la licence Diablo qui a le plus fonctionné et qui est très intéressante à ce niveau-là, hein, au demeurant des thématiques très cool. Ou bien sûr, c'est pas pour rien que j'utilise cette superbe image, cette superbe illustration de Diablo 4, où en fait, eh bien, on a l'éternel conflit, bien sûr, entre anges et démons, mais au final, eh bien, ceux qui vont créer la troisième force
cosmique de l'univers de Diablo, à savoir le camp des pacifiques, entre guillemets, parce que bon, Lilith n'est pas vraiment pacifique, mais entre guillemets, Inarius, Lilith qui s'unissent pour créer l'humanité, et ça, bah, c'est très intéressant, puisque c'est... Et donc l'humanité, les Néphalem, et ça c'est le cadre complet de Diablo 4. Donc déjà, bah, retournons sur des personnages qu'on n'avait jamais vus dans la licence, et pourtant on en avait déjà parlé dans le manuel de Diablo 1, et ensuite eh bien, dans l'univers étendu. Lilith, Inarius et les Néphalem sont au centre du récit, comme je le disais. Choix de la nouvelle apparence de Lilith est vraiment magnifique. Genre le design de Lilith est incroyable, hein. Vraiment c'est, il est magnifique, le choix des yeux verrons aussi, enfin... Il y a un travail, parce que faut se taper l'ancien modèle de Lilith, hein. Il était dégueulasse. Hein. Pour ceux qui se rappellent des livres de Lilith de Reaper of Souls, ou tout simplement des illustrations que vous avez pu voir dans le livre de Descartes, Lilith était dégueulasse. Hein. Vraiment, elle était dégueulasse. Là, pour le coup, c'est pas non plus une révolution de design, mais pour la licence Diablo, ça fait beaucoup de bien de voir un démon... voir un démon aussi classe, aussi impressionnante, à la fois tentatrice, à la fois on va dire magnifique de l'extérieur, mais en même temps tu sens que ça cache quelque chose de plus profond. Enfin, je trouve le design de Lilith vraiment démentiel, et évidemment la cinématique d'introduction de Diablo 4, je parle vraiment de la CGI, hein, celle où il y a l'invocation de Lilith, celle où on la ressort de son bannissement, de son invocation du vide, et bien pour le coup elle est démentiel. Je pense honnêtement que c'est... Je pense... Alors, c'est très dur d'être objectif. De manière objective, je pense quand même que c'est l'une des plus belles cinématiques que Blizzard ait jamais produite. Et pourtant, je sais que beaucoup vont penser, moi-même, hein, des cinématiques de War 3 qui ont bercé mon enfance, etc. Mais faut l'admettre, c'est un tableau. C'est une œuvre d'art, la cinématique de Diablo 4. Et donc, au moins, voilà, je prends pas trop de risques en disant que c'est l'une des plus belles cinématiques que Blizzard n'ait jamais faite. Mais en même temps... D'un point de vue plus personnel, je pense même que c'est ma préférée. On a vraiment un tableau. Vraiment, on me met cette cinématique dans un espace au Louvre et tout. Je pense pas que ça fasse tache, quoi. C'est vraiment... C'est incroyable, quoi. Quand on parle du 7e art, du 8e art, le jeu vidéo, etc. Voire le 9e art, je sais plus pour le jeu vidéo. Là, pour le coup, c'est vraiment... Si on doit montrer à quelqu'un qui connaît pas trop le monde du jeu vidéo, voilà en quoi le jeu vidéo est un art, cette cinématique est superbe. Elle est vraiment sublime. Et en même temps, en plus, c'est une super introduction au récit de Diablo 4, puisque cette cinématique va avoir un véritable rôle dans l'histoire de Diablo 4. C'est pas juste, voilà, invocation de Lilith, tout ça, parce qu'on va en reparler, et ça sera la clé, on va dire, c'est vraiment le début de l'histoire de Diablo 4, avec la libération de Lilith. Donc quelqu'un qui aurait même zappé la cinématique de départ, bon, il commence très très mal pour accrocher les wagons au niveau de l'histoire. Et d'un autre côté, c'est une super introduction donc à l'histoire de Diablo 4, mais aussi à Lilith. Parce qu'on voit directement que le personnage, on sacrifie des gens pour la faire venir, donc des personnes en plus qui ont l'air plutôt positives. Il y a des bandits, donc des méchants, bon, eux on s'en fout. D'un autre côté, t'as, je crois que c'est Simon, le prêcheur du Zakharum, qui se fait sacrifier parce qu'il voulait des connaissances. Il a eu accès à ses connaissances, on voit les visions, mais d'un autre côté, ça lui coûte la vie. Donc on voit qu'au final, bon, bah ça fait très sacrifice démoniaque, on a sacrifié des gens pour ramener. Mais d'un autre côté, le mec qui l'a invoqué, il dit « Sauve-nous, mère !» Ça, c'est très bizarre. Donc, il y a ce côté ambivalent de Lilith qui marche très très bien, mais j'y reviendrai plus tard en fin de vidéo. Mais Lilith, là-dessus, je trouve que le pari est réussi. Le personnage est excellemment bien dépeint. On connaissait le personnage avant. Diablo 4 a respecté le personnage et a totalement été cohérent vis-à-vis de ce que représente le personnage. Donc, je trouve que c'est une excellente introduction à la saga. À ce niveau-là, on a aussi Inarius de l'autre côté. Alors, je ne savais pas quand est-ce que je mets cette image-ci, parce que je pense que c'est important, même si effectivement Inarius on le découvre après, j'ai essayé de faire une construction, vous allez voir, assez chronologique pour faire un bilan de Diablo 4. Et en gros, c'est vrai que je savais pas où la placer, parce que les cinématiques d'Inarius, au final, c'est pas au début. Même si, d'un point de vue marketing, on nous a montré une cinématique de fin pour nous vendre Diablo 4 avec Inarius. Et de l'autre côté, bah c'est vrai que Inarius... On le voit dans l'acte 1, mais encore une fois, je parlais du contexte. Lilith, Inarius, guerre du péché, nous y sommes. Et c'est vrai que Inarius, bah, je vais commencer par le premier point noir de cette vidéo. Inarius, premier point noir. Inarius est génial, qu'on soit clair. Inarius, alors on le voit moins que Lilith. En même temps, on court après Lilith, donc c'est un peu c'est différent. Mais Inarius, on le voit moins, mais ses apparitions, j'y reviendrai un peu après, sont mémorables. Et je vais beaucoup reparler d'Inarius sur d'autres aspects de la vidéo. Mais...
Son nouveau design est excellent, je trouve. Très sobre, tout en étant suffisamment différent pour le différencier des autres archanges. Je lui ai consacré d'ailleurs une vidéo à ce nouveau visuel d'Inarius. Comme ça vous permet vraiment de savoir si vous avez affaire à Inarius. Il a une arme assez unique, même si c'est une lance. La forme de la lance rappelle un Gwendao avec une lance, enfin, le bout de la lame recourbé. Donc qui différencie d'Imperius à ce niveau-là aussi. Donc vraiment, je trouve le nouveau design d'Inarius excellent. Vraiment excellent. C'est une excellente idée d'avoir lié de l'armure Néphalem à de l'armure angélique et tout. Il y a vraiment, encore une fois, allez voir la vidéo en question. Elle n'est pas très longue en plus. Vraiment très bien. Très très bien. Au gros problème, et pourquoi je mets cette image maintenant, j'ai pas choisi par hasard cette image aussi, qui est une illustration de Diablo 4. Nous voyons un Inarius attaché aux enfers avec ses chaînes. Et bah ça, c'est le gros point noir. Enfin, c'est l'un des gros points noirs de Diablo 4. C'est qu'on n'a absolument aucune histoire sur le contexte de la libération d'Inarius. Alors, c'est pas dit qu'on n'ait pas des explications plus tard hein, sur des extensions de Diablo 4. Diablo 4 se veut sur un modèle économique proche d'un World of Warcraft, on va dire, avec une extension potentiellement tous les 2 ans, un truc comme ça, avec une avancée de l'histoire et autres. Donc, un retour d'Inarius est envisageable. Et le retour sous quelle forme? Est-ce que c'est lui qui revient directement ou est-ce qu'on va reparler d'Inarius? Nous verrons, mais il y a de grandes chances qu'on ait plus d'infos là-dessus. Mais c'est quand même, je pense, inadmissible qu'on n'ait pas d'explication sur sa libération. Même pas un début de piste en fait. Et donc, ça, je trouve pas ça normal. Surtout que même dans la cinématique où on voit la libération de Lilith, qu'est-ce qu'on voit? On voit Inarius qui est toujours attaché. Donc c'est très bizarre. C'est très bizarre à ce niveau-là. Au final, nous commençons avec l'acte 1. L'acte 1 qui se passera dans les pics fracturés, les pics brisés. Zone parfaite pour commencer le Diablo 4, je pense. Pourquoi? Déjà, on est dans un territoire de neige, enneigé, etc. L'idée avec Diablo, c'est quand même d'avoir une ambiance assez sombre. On est dans une zone enneigée, on pourrait dire une zone blanche. Bah, du coup, c'est peut-être un peu. Surtout que la neige est souvent synonyme de pureté, d'innocence. Et au final, là, bah, pas tant que ça, on a l'impression, et en fait, il se passe quelque chose de terrible en fond, et ça marche très bien. C'est ça la thématique un petit peu des pics brisés, parce que on a l'impression d'être en sécurité, et en fait, on ne l'est pas entre les menaces de vampires, de loups-garous qui se passent en dessous. Et même la cathédrale de la lumière, qui d'un côté, je vais y venir après, est rassurant, et de l'autre, eh bien, il y a quelque chose de malsain au final. Il y a un air un peu vicié et donc c'est vrai qu'on se demande un petit peu ce que c'est. Mais pourquoi je considère que c'est une très bonne introduction? Diablo 4 se passe sur le continent Est, à lequel ils ont donné un nom d'ailleurs, Estuar. Et au final, eh bien, le continent Est de Sanctuaire ressemble beaucoup à notre continent Est à nous, l'Asie. Et donc forcément, pour un joueur de Diablo, d'Heroic Fantasy, tout ça, alors. J'ai prévu une vidéo pour parler, on va dire, du côté oriental de Diablo, mais c'est vrai que un joueur classique ou un joueur qui découvre la licence Diablo, quand on lui dit que c'est de la dark fantasy, ça reste de la fantasy et de la fantasy, on s'imagine les chevaliers, tout ça, tout ça. Donc si on commence à avoir continent Est, bah, que des berbères et des samouraïs et autres, peut-être qu'on perd des joueurs sur le train en fait, hein, on perd des joueurs sur le quai. Donc commencer avec une zone qui se veut très médiévale européen, on va dire, c'est occidental, bah, ça marche très bien, je trouve. Et d'un autre côté, on te montre que c'est pas tout à fait comme le continent ouest à ce niveau-là, sachant qu'il y a aussi de l'exotisme avec le continent ouest, hein, dans Sanctuaire, hein, les moines d'Ivgorod, tout ça. Mais au final, eh bien, on reste sur une inspiration occidentale médiévale, mais quand même Europe de l'Est. Quand même Europe de l'Est. Avec un style très particulier, style très orthodoxe au final, au niveau de l'apparence, même si je vais nuancer le propos. Et au final, comme je le disais, la zone fonctionne bien, elle respire bien, je pense que c'est vraiment une bonne introduction. Et Kyovasha de la capitale, d'ailleurs, on le sent au niveau de la tonalité. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'en français, on perd les accents de la VO. En version originale, je veux dire, vous voyez à fond les ballons que vous êtes en Europe de l'Est. Enfin, les accents, c'est. C'est Vanny! Vanny! Il parle comme ça, avec un accent de l'Est à couper au couteau. Donc, ça ajoute à l'atmosphère, à l'ambiance. On perd ses accents en français. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, dans tous les cas, Kyovashad, incroyable. J'y reparlerai j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais les musiques aussi de Kyovashad sont belles. Vous les entendez d'ailleurs. Bon, là, c'est pas Kyovashad, c'est Pic Brisé. Mais les musiques marchent bien. Elles sont assez aériennes, etc. Et Kyovashad a un thème
veux dire assez reconnaissable plutôt. Donc là-dessus, ça marche bien. On y découvre du coup la cathédrale de la lumière que j'ai évoquée avant, qui est une reprise totale de la cathédrale de la lumière d'Inarius à l'époque de la guerre du péché, hein, qui se situe à peu près plus de 2000 ans avant le début de Diablo. Voire plus même, je sais plus. Enfin, là, de tête comme ça, je sais plus. Mais dans tous les cas, on a la même église qui est reformée, sachant que la cathédrale de la lumière, peut-être que des joueurs se diront, bah c'est, ça fait vieux, alors qu'en fait c'est tout neuf. Ça, je veux dire, la transition entre Diablo 3 et Diablo 4, c'est 50 ans. Bah, la cathédrale de la lumière n'existait pas il y a 50 ans en fait. Donc elle a été reconstruite. Et c'est 50 ans, c'est le maximum. Hein, parce que Inarius, ça voudrait dire qu'il se soit réveillé, enfin il se soit libéré dès que Maltael ait été vaincu. Ça m'étonnerait que, boum, ce soit à ce moment-là qu'il soit sorti. Donc il a fallu au maximum 50 ans pour reconstruire la cathédrale de la lumière telle que Inarius l'avait conçue. En soi, c'est pas un problème, surtout qu'heureusement il y a une bonne ellipse de 50 ans qui nous permet d'expliquer 2-3 trucs. Maintenant, c'est vrai que l'aspect que j'évoquais avec un aspect extérieur très très orthodoxe, certaines iconographies, certaines icônes, certains saints, etc. Vraiment, ça fait très orthodoxe. Puis bon, le palais où est Inarius, ça fait vraiment orthodoxe. Mais d'un autre côté, la thématique est profondément catholique, avec un délire du pécheur à fond les ballons, enfin que tous les humains sont des pécheurs, qu'ils doivent se repentir, quitte à se flageller, etc. Catholique radical, on va dire. C'est vraiment une thématique du côté du pécheur. Et ça, en plus, ça marche bien dans le délire d'Inarius, en mode lui-même est un pécheur et du coup les humains sont à son image, à l'image du Père. C'est-à-dire qu'ils naissent dans le péché et donc qu'ils doivent se faire pardonner leur péché en se sacrifiant une partie d'eux-mêmes pour pouvoir avancer et se laver de leur péché. C'est un délire très chrétien, ça, je trouve. Et ça marche très bien. Ça marche très bien qu'une iconographie qui est intéressante, le soleil, espèce de soleil qui représente la lumière, et le sang au milieu, hein, l'espèce de gouttelette au milieu qui représente justement le péché. Il va falloir verser de son sang pour se laver du péché. Ça marche très très bien à ce niveau-là. Même leur armure d'ailleurs font très vierge de fer et rappelle l'idée de la torture pour se laver de ses péchés. Ce qui est intéressant, alors le petit bémol de la cathédrale de la lumière, à mon sens, c'est qu'on a très très peu, alors en tout cas là je parle de la trique principale, mais c'est vrai que j'ai fait 2-3 quêtes au Stepzaride. Le problème, c'est qu'on a absolument aucun ou très peu de lien, je trouve, entre l'église du Zakaum, qui est l'église principale de l'univers sanctuaire, et l'église de la lumière, la cathédrale de la lumière, qui est la nouvelle religion tendance du moment, et on peut comprendre hein, qu'elle le soit. Je suis pas en mode c'est incohérent, bien au contraire. Je veux dire, on a un ange qui débarque, un archange qui débarque en mode salut, c'est moi Inarius, tout le monde le voit, tout le monde est inspiré par sa lumière, il sauve des gens, etc. On peut comprendre que la religion est la cote. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conflit vis-à-vis du Zakaroum, je trouve. Et les rares liens vis-à-vis du Zakaroum, c'est Stepzaride, une quête secondaire, où c'est plus la cathédrale de lumière qui est intéressée par des anciens textes du Zakaroum que vraiment une espèce de tension religieuse avec des mecs du Zakaroum qui se diraient, bon, peut-être que nous, on a connu... Il y a une religion qui est sur la pente descendante, il y en a une sur la pente ascendante, c'est une thématique qui serait super intéressante. Et on passe à côté, je trouve. On va en reparler de cet aspect de guerre de religion, mais pas pour le Zakaroum et la cathédrale de la lumière. C'est dommage parce que je pense que pour des néophytes, Zakaroum et cathédrale de la lumière, beaucoup vont se dire c'est à peu près pareil, c'est à peu près la même chose, puisque les deux font très chrétiens hein, au final. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et au niveau des pics brisés, on découvre ou on redécouvre un personnage qui est très important dans l'histoire de Diablo 4, c'est Lorasnar. Et Lorasnar, pour moi, c'est un très gros point fort de ce Diablo 4. Puisque c'est un perso qui était présent à Diablo 3, Reaper of Souls, qui était introduit à Reaper of Souls, et qui revient prendre le rôle de conseiller de l'histoire dans un rôle qui était très souvent assimilé à Deckard Cain dans Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3. Et après, c'était plus Tyrael et Léa aussi dans Diablo 3, dès que Deckard meurt. Cependant, ils ne sont pas tombés dans le piège d'un Deckard Cain numéro 2. Il a une tenue qui... C'est un vieillard maintenant, il est assez vieux, il a plus de 70 ans, le petit père. Donc Lorasnar habillé en bleu,
avec un bâton et tout, on pourrait se dire c'est vrai que ça rappelle beaucoup Descartes Kane. Et au final, eh bien, il a sa propre personnalité. Il y a des points bien sûr qui rappellent Descartes Kane au niveau de sa fonction, même au niveau de son apparence, comme on le disait, c'est un vieux avec habillé en bleu. Bon, ça fait très Descartes Kane. Mais en fait, bah, il a, au lieu d'un bâton, il a une arme d'Ast. D'ailleurs, il commence avec une hache, mais ensuite il récupère une arme d'Ast. Il est ultra brut de décoffrage, là où Descartes était le gentil grand-père qui t'assied sur les genoux pour te raconter une histoire. Le Ras, lui, lui, il va pas par quatre chemins, et le perso est extrêmement crédible, je trouve. Il se bourre la gueule quand ça va pas et tout. Enfin, je trouve qu'il y a un réalisme sur le personnage. On dépasse justement le personnage fonction pour avoir un véritable personnage avec des émotions. Et pourtant, le mec, tu sens qu'il en a pris dans la gueule et qu'il le renvoie aux autres. Mais il y a quand même, il y a quand même des moments d'émotion aussi avec lui. Donc, c'est pas juste un gros con. Et je trouve vraiment que Laura, c'est un super personnage dans Diablo 4. D'ailleurs, dans l'acte 1, on va découvrir aussi Nerel, hein, le perso qui a fait des échos bien sûr à Léa. On est là où Laura c'est le vieux briscard, Nerel et l'insouciance de la jeunesse, malgré le fait qu'ils partagent tous les deux des points communs au niveau de cette soif de connaissance, cette soif de savoir, et sont des Aura Dream tous les deux. Au final, Nerel, je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui ont détesté le perso, parce que le personnage, je l'entends, est assez cliché. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'est pas cliché dans une histoire ? On emploie souvent le mot cliché à tort et à travers. N'importe quel personnage est un cliché, en fait. Puisque on va s'inspirer d'un truc qu'on connaît. C'est la définition du cliché, en fait. Donc, il y a juste des clichés qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Et là, c'est pas très objectif. Donc, je comprends qu'on puisse ne pas apprécier Nerel, parce que bon, le personnage rentre dans des cases assez connues. D'un autre côté, je trouve qu'il lui arrive des choses, il lui arrive des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et là d'ailleurs j'en profite, pour le moment on n'a pas fait de gros spoilers, je vais commencer direct maintenant, donc globalement mes impressions sur Diablo 4, je vais vous le dire tout de suite, pour arrêter dans la zone non spoiler, j'ai beaucoup aimé Diablo 4, Diablo 4 n'est pas exempt de tout reproche en termes d'histoire, mais Diablo 4 est clairement et de très très loin, et c'est vraiment le plus objectif possible, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la meilleure mise en scène possible dans la licence Diablo, et il n'y a rien qui puisse lui arriver à la cheville. Le deuxième, d'ailleurs, que ça plaise ou non, c'est Diablo Immortal en termes de mise en scène. Parce qu'un jeu, c'est pas que des très belles cinématiques. À ce niveau-là, Diablo 3 serait devant Diablo Immortal. Mais Diablo Immortal a de la mise en scène constante dans le jeu, avec de la narration, des personnages qui parlent. Et du coup, à ce niveau-là, bah, désolé, Immortal est meilleur que Diablo 3. Et donc, bah, c'est vrai que Diablo, j'aurais dit Diablo 4, c'est un grand, grand nouveau souffle pour la licence Diablo, parce que on a enfin une vraie mise en scène, une vraie narration qui rend hommage à l'histoire de Diablo. Donc là, à ce niveau-là, Diablo 4, moi, je suis conquis. Même si, attention, faut pas tomber dans le « c'est parfait ». Non, c'est loin d'être parfait, mais c'est quand même du très bon. C'est quand même du très positif. Et j'espère que les problèmes seront potentiellement corrigés dans des futures extensions et qu'ils puissent, parce que, qu'ils puissent donner des réponses qui manquent. Par exemple, bah, le contexte vis-à-vis d'Inarius, ce serait important. Et à ce moment-là, le point faible que j'ai cité serait, on va dire, un petit peu atténué grâce à son extension. Voilà, pour ce qui est des non-spoilers, maintenant je vais commencer par les spoilers directs en disant que Nerel, je ne m'attendais pas par exemple à ce qu'on lui coupe le bras, en fait, qu'elle soit infectée et qu'on lui coupe le bras, ça je ne m'y attendais pas. Elle a pas ce côté, vous savez, le personnage qui lui arrive jamais rien, etc. Non, il lui arrive des trucs. Elle se coupe le bras, elle perd sa mère. Après, c'est vrai que la perte de la mère arrive très vite. Et peut-être pour certains, peut-être un peu trop vite d'ailleurs. On n'a pas le temps de s'attacher encore à la mère et au personnage pour voir les... Mais bon, je veux dire, une fille qui perd sa mère devant ses yeux, bon, on peut comprendre qu'elle en tout cas soit affectée. Et derrière, le personnage va quand même évoluer, va adoucir un petit peu Loras. J'aime beaucoup la relation qu'ils entretiennent avec Loras, même si c'est peut-être un peu rapide, mais la relation qu'ils entretiennent est vraiment intéressante, en mode Loras qui n'a pas eu d'enfant et qui a perdu un petit peu espoir, qui est devenu un vieux con, et Nerel qui, elle, est peut-être un peu trop insouciante, et du coup, il y a une relation entre les deux qui va naître, qui est très intéressante. Elle rappelle, évidemment, c'est un écho à Léa de Diablo 3, sans pour autant être Léa. Donc, même dans la relation vis-à-vis de leur mère, il y a des échos, mais d'un autre côté, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, j'ai bien aimé quand même le personnage, et surtout à la fin, je ne m'attendais pas à ça, Nerel qui récupère la pierre d'âme de Mephisto, on va y revenir à la toute fin, mais qui récupère la pierre d'âme de Mephisto. Bon, Nerel,
Bah normalement, elle est pas bien. Elle va très mal finir sur le papier, NRL. Donc ça, je ne m'y attendais pas et je suis agréablement surpris à ce niveau-là. Inarius, évidemment, dans l'acte 1, on le rencontre et la cinématique. Enfin, Inarius, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est ultra charismatique. Son apparition dans la première cinématique, dans justement cette espèce ça n'existe pas la cathédrale pour l'orthodoxie, mais cette espèce d'église orthodoxe, ce palais de l'orthodoxie, et il est impressionnant. Et d'ailleurs, le discours qu'il a lors de la première fois, la première rencontre, on se dit putain, c'est vachement cryptique ce qu'il dit. Et au final, quand vous avez fini le jeu une fois et que vous revoyez cette cinématique, je vous le conseille, il y a des éléments où vous allez faire ok, je tique un peu plus sur ce qu'il veut dire. Je comprends un peu plus ce qu'il essaye d'apporter. Maintenant, le bémol pour moi, c'est qu'encore une fois, on ne sait pas comment il s'est libéré. Mais ce qui est intéressant, contrairement à Lilith qu'on a perdu, enfin qu'on retrouve avec la même psyché que d'habitude, de tout ce qu'on savait de Lilith, l'idée qu'elle veut que les humains s'affranchissent du pouvoir des cieux et des enfers et qu'ils cassent la gueule aux cieux et aux enfers pour son propre bien aussi. Mais là-dessus, on retrouve une Lilith qui est dans la même psyché. Pour le coup, Inarius, on sent qu'il a passé un sale quart d'heure et qu'il a passé entre 2000 et 4000 ans de torture, puisque il revient, il sort, on sait toujours pas comment, mais il s'est libéré. Et on sent que lui, ça lui a fait mal, la torture, et que notamment, il essaye de trouver un nouveau sens à sa vie. Et justement, son souhait maintenant, c'est de retourner aux cieux. Il a suffisamment goûté aux enfers et aux... Et même, n'oublions pas que... il a été défait par ses propres enfants, et notamment Uldisian, pendant la guerre du péché. Donc il a vu l'humanité se retourner contre lui. Ensuite, il a vu les tortures des enfers. Donc c'est vrai que il a envie de se retourner vers la troisième force qu'il a vu naître, à savoir les cieux. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est intéressant. Et Inarius, tout comme Lilith, sont des personnages gris. C'est pas un personnage gentil, c'est pas non plus un personnage méchant. Et là-dessus, Inarius garde cet aspect gris. Et j'ai trouvé ça très bon. Pour le coup dans Diablo 4. Mais on y reviendra en fin de vidéo pour Inarius. Acte 1, ce sera mon dernier point avant d'attaquer l'acte 2 et Skaz Glen. Comme je le disais, je résume pas toutes les intrigues, tout ça. L'objectif, c'est de voir un peu les grands points qui m'ont marqué sur chaque acte. Et le nouveau point noir, je dirais, de Diablo 4, hein, qui est l'un des gros points noirs de Diablo 4, c'est Rathma. Ou Rathma, vous prononcez comme vous voulez. C'est un sujet vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Compliqué en même temps très simple, hein. Parce que bon, Rathma, on savait pas s'il était mort ou pas. Diablo 4 nous donne une réponse, en fait il est pas mort. Ah, d'accord, rien que ça, ça peut poser déjà des problèmes, d'accord, mais qu'est-ce que foutait Rathma du coup pendant Diablo 1, pendant les événements de Diablo 2, pendant les événements de Diablo 3? Je vous rappelle qu'il y a un ordre, les prêtres de Rathma qui existent, que sont les nécromanciens. Les nécromanciens, ils ne sont pas dirigés par Rathma directement. Rathma, il est dans une espèce de plan, se demander, on supposait peut-être que Rathma était encore en vie près de Tragoul dans un espace, dans une dimension un peu spécifique, dans une poche dimensionnelle de sanctuaire. Là, le mec, en fait, il est là, tranquille, et il branle rien. Donc il est caché aux yeux des nécros, etc. Enfin, c'est en mode, mais les gars, vous pouvez pas faire ça. Le mec, il fout rien, et on n'a même pas véritablement de conversation. On voit des bribes de conversation qu'il a avec Inarius. Donc en fait, on découvre qu'il est pas mort, pour finalement découvrir qu'il est mort. Mais il vient de mourir. Il était vivant pendant toutes ces années, puisque c'est le premier humain, Rathma, hein, rappelons-le. C'est le fils direct, parce qu'on parle souvent d'Inarius et de Lilith en père et mère de l'humanité. Rathma est le premier fils, le premier homme à être né, et à savoir le fils, pour le coup, de Lilith et Inarius. Et là, c'est pas de la métaphore, c'est vraiment leur enfant. Donc... Rathma, en fait, on savait pas qu'il était vivant, donc on apprend qu'il est vivant, mais en fait, on apprend en même temps qu'il est mort. En fait, il était vivant jusqu'à il y a quelques heures, et globalement, il a été tué, ou quelques jours, et il a été tué par Inarius, par son popo. Lilith, pour le coup, la cinématique est assez intéressante, où Lilith nous montre qu'elle tenait à Rathma. Alors, je sais que là-dessus, on n'est pas d'accord avec des viewers et autres sur le... Personnellement, moi... Je considère qu'elle récupère la clé des enfers en s'énervant et en cassant le sceptre de Rathma. Et en cassant le sceptre de Rathma, elle tombe par hasard sur la clé. Certains me disent qu'elle a l'air énervée, mais que c'est pas un coup de bol. Pour moi, c'est un coup de bol. Pourquoi ? C'est le côté un peu... Cette cinématique est très métaphorique dans l'idée, puisque l'idée, c'est que Lilith a de l'empathie pour son fils.
Elle voulait l'incorporer à ses projets et elle-même dit que probablement Ratma aurait dit non, ce qui respecte totalement la cohérence des deux personnages, donc là-dessus, pas de problème. Ratma aurait clairement dit non, je pense, tel qu'on le connaît. De l'autre côté, Inarius, lui, a essayé d'arrêter enfin, a demandé un service à son fils. Son fils lui a dit, bah, ce que tu comptes faire? Elle lui a mis un avertissement par rapport à ce qu'il comptait faire. Et Inarius, qui s'est fermé, on va dire, à l'humanité, il s'ouvre. En fait, il ne fait qu'utiliser l'humanité, Inarius, pour ses propres fins. Et donc, il se perd à l'empathie au niveau de ses enfants, considère l'humanité comme un objet. Et il n'a pas cette empathie paternelle que Lilith a. Elle possède l'empathie maternelle, Lilith. Même si c'est que pour aussi sa gueule, Lilith, elle aime profondément l'humanité. Notamment son fils direct. Donc, Inarius a au final assassiné son fils avec sa propre arme, le sceptre de Ratma, dans lequel étaient cachées l'épée des enfers. Et donc, ironiquement, ça fait que Inarius a empalé son fils avec la clé des enfers, l'objet qu'il était venu chercher, qu'il n'a jamais trouvé, alors qu'en fait, bah, il le tenait dans la main, littéralement. Et de l'autre côté, la mère, qui elle éprouve de l'empathie, en enlevant la lance, s'énerve et pète le bâton, et du coup tombe sur la clé. Là où au final, bah, l'empathie aura permis d'obtenir l'objet qu'ils convoitaient tous les deux. Donc je pense qu'au final, sachant que c'est ce que demandent aussi Ratma et les humains, de l'empathie vis-à-vis d'eux-mêmes en fait, hein, pour pouvoir survivre et faire leur vie de loin des cieux et des enfers. Donc au final, ça marche bien à ce niveau-là. Même si j'ai un énorme sentiment de gâchis vis-à-vis de Ratma, il n'est qu'une étape mineure dans l'intrigue, même si c'est une étape très importante puisque c'est le moment où on récupère la clé des enfers. Sentiment, vraiment, j'ai un sentiment tellement de gâchis et surtout d'une cartouche qui a été utilisée pour rien. Et Ratma, c'est pas une petite cartouche. Comme je l'ai dit, c'est le premier Néphalem, le premier de l'humanité, etc. Le simple fait qu'il soit encore en vie, ça nous fait poser beaucoup de questions. Et en fait, bah, paf, découpé à la machette instantanément, c'est terrible. Et on en reparlera vis-à-vis des nécromanciens, parce que c'est quelque chose aussi. Ratma, du début à la fin, c'est dommage, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de déceptions. Attaquons Skozglen, mesdames et messieurs, Skozglen, puisque Skozglen, c'est au final l'intrigue de l'acte 2, une zone comme je me l'imaginais et qu'on pouvait s'imaginer, puisque Skozglen, on n'y avait jamais été dans la licence Diablo avant, mais au final, on pouvait s'attendre à certaines choses, notamment le fait que c'était une zone avec de grandes forêts, beaucoup de culture celte au final, puisque c'est la terre natale des druides. Nous avons une zone très proche de la nature, avec des pierres gardiennes, etc. Vraiment très culture celte. Et bah, je m'attendais à ça, une inspiration comment dire, très bretonne, très irlandaise, très écossaise. Et on l'a complètement de présent, avec notamment l'importance des druides, évidemment. Même si c'était étonnant, à mon sens, quand j'ai découvert la capitale de Skozglen, je m'attendais à Tur'Dul'ra, hein, la seule ville qu'on connaissait de Skozglen. Au final, ce n'est pas la capitale, c'est Kerrigar, hein, qui est la capitale, ou Serigar. Et au final, eh bien, c'était pas si bête que ça, puisque Tur'Dul'ra est censé être un endroit sacré, la capitale des druides, mais pas forcément la capitale de tous les habitants du coin. Donc, dissocier Tur'Dul'ra et Kerrigar, ça permet d'avoir deux grandes pôles, on va dire, de la société de Skozglen. Et c'était pas mal, c'était pas bête, c'était même plutôt malin. Au final, l'importance des druides, pardon, est à relativiser, puisque dans l'intrigue principale, on va pas mal suivre les druides, mais au final, les druides apparaissent plus comme des antagonistes que comme des alliés. Je vais revenir après. Mais ayant fait les quêtes secondaires, et là, désolé, c'est vrai que j'ai parlé de l'intrigue principale, les druides sont là, en fait. Dans l'intrigue principale, ils sont là de manière sous-jacente. On parle beaucoup de la culture druidique, les anciennes traditions, qui sont d'ailleurs très intelligemment mises dans une espèce de guerre de religion vis-à-vis de la cathédrale de la lumière, qui est nouvelle. Et donc, ça, c'était, je trouve, un point très très bon de Skozglen, c'est cette mise en rivalité de la cathédrale de la lumière qui essaye de s'imposer dans Skozglen, et de l'autre, la population qui rejette ou qui embrasse la voie de la cathédrale de la lumière. Sinon, bah, ils sont pas contents. Puisqu'ils sont des adeptes des anciennes traditions druidiques. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et on va amener vraiment le. En fait, je dirais que tout ce qui est druidique va être un petit peu dans le feutré sur l'intrigue principale. Et dans les antagonistes de l'intrigue principale. Mais dans le côté assistance et aide, c'est plutôt dans la quête secondaire, dans les quêtes secondaires de Skozglen qu'on va vraiment s'en rendre compte. Et c'est vraiment Skozglen, je pense, un des actes qui a le plus marqué les joueurs. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'acte 2 de Diablo 4 est vraiment, vraiment marquant. Puisque
On a parlé du rôle du druidisme hein, que j'évoquais, notamment Tour d'Ulra, et je vous conseille vraiment Tour d'Ulra. Pour la quête secondaire, là je suis désolé, je fais une entorse à mon récit, mais Tour d'Ulra, la musique est exceptionnelle. On sent qu'il y a, un passé, il y a un passé qui a quelque chose de très profond et de très grand, avec une espèce de touche très plaintive sur Tour d'Ulra, et on sent qu'il s'est passé quelque chose de terrible et qu'il y a quelque chose de grand qui a été détruit et qu'on doit essayer de reconstruire. Et l'idée de Tour d'Ulra qui a été détruite, je vais y revenir après, mais c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est vrai que les quêtes secondaires de Skullsglen sont très très bonnes. Et notamment celle sur Tour d'Ulra, qui est un bastion, donc élément de gameplay où il faut récupérer le bastion, qui va nous permettre de connecter aussi avec l'intrigue principale. Enfin, c'est genre vraiment très bien. Je suis agréablement surpris par ce qu'ils ont fait sur Tour d'Ulra, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit une ville. Et la voir en zone hostile, au départ, je me suis dit, oh là 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 là. Ouais, bon, ok, mais c'est un peu dommage, parce que quand même, c'est ce. Et en fait, l'idée que elle est tombée en décrépitude, en ruine, et qu'on va la récupérer et que ça fera partie de l'intrigue, ça c'était une très bonne idée. Je trouve que c'était une excellente idée. Pour ce qui est de Skullsglen, on fait la découverte, évidemment, d'un des trois Auradrim qu'a formé Tyrael sur le continent de l'Est, à savoir Donan. Donan qui est un excellent point de Diablo 4 aussi, si l'Auras est l'espèce de brute de décoffrage, Donan lui est beaucoup plus, je dirais pas humble, parce que c'est pas forcément l'humilité qui le caractérise, mais beaucoup plus attachant, je dirais, à première vue, qui a une relation compliquée avec l'Auras, à la fois teintée de respect, à la fois. Parce qu'il a été l'apprenti aussi de Loras Nar, tout en ayant un âge assez similaire, les plus jeunes que Loras, mais malgré tout, ils ont une relation compliquée, ambiguë, à savoir entre amis, mais en même temps, il y a une espèce de rivalité, ils s'envoient des nions dans la tronche en permanence. C'est le héros local de Skullsglen, avec on va nous parler de l'âge des cendres, et là, l'âge des cendres, on se dit, ah bah, Mal'Ganir, tu vas pouvoir nous en parler de l'âge des cendres. Je lui consacrerai très probablement une vidéo plus tard à l'âge des cendres, mais l'âge des cendres. Qu'on soit clair, encore une fois, pour un joueur de Diablo, c'est tout nouveau. C'est quelque chose de totalement créé pour Diablo 4 et c'est une excellente idée. Nous dépeindre une période, l'âge des cendres, qui se serait passé dans l'ellipse entre Diablo 3, Reaper of Souls et Diablo 4, donc dans les 50 ans de l'entre Diablo 3 et Diablo 4, cette période de l'âge des cendres, qui est un âge de ruines, de destruction et de tristesse terrible, qui a touché surtout Skullsglen, c'est excellent. Avec un seigneur démon qui n'est pas un des sept seigneurs des enfers, mais un seigneur démon, Astaroth, qui aurait ravagé les terres, qui aurait tout flingué, qui aurait tout détruit. Il aurait fallu l'union d'aventuriers exceptionnels pour pouvoir l'affronter, et qui ne sont pas des personnages que l'on connaît, on les introduit avec ça, et qui forment les nouveaux héros, enfin les héros de Skullsglen. On les voit les trois ici, même si malheureusement j'avais pas un joli tableau avec les trois. Donc nous avons Donan devant, nous avons Aridha sur le côté à gauche, et Naphain au-dessus. Donc deux druides et un Auradrim, on le voit à sa broche d'ailleurs, hein, le symbole Auradrim. Donc c'est plutôt intéressant, sachant que beaucoup de druides sont morts pendant le conflit. Je vous cacherai pas, parce qu'encore une fois c'est une intrigue secondaire, mais elles sont tellement connectées avec l'intrigue principale que c'est difficile. Et par exemple, je trouve que les quêtes secondaires de Skullsglen sont excellentes, et c'est à ça que doivent servir des quêtes secondaires, c'est nous narrer des choses très importantes, et qui sont liées, enfin moins importantes, mais qui sont liées à l'intrigue principale et qui vont avoir du coup de l'importance par la suite. Et là-dessus, ça marche très très bien parce qu'on nous dépeint un peu plus ce qui s'est passé pendant l'âge des cendres. L'intrigue principale le fait très bien, il se suffit, mais les intrigues secondaires vont vous montrer à quel point l'âge des cendres, c'est un truc qui a marqué l'esprit. On peut comprendre que des années après, ça ait vraiment encore des stigmates, puisque vous avez Tour d'Ulra qui est tombé pendant l'âge des cendres, et vous avez également bah, toute une compagnie de mercenaires qui a prêté main forte justement à Donan et aux druides pour contrer Astaroth. Et qu'au final, Astaroth, eh bien, on a réussi à le tuer. Finalement, on se rend compte qu'il n'est pas mort et qu'en fait, on l'a enfermé dans une pierre d'âme. Et là, ça a un gros écho, bien sûr, à l'exil noir. Sauf que cette fois, c'est pas un seigneur des enfers, mais juste un seigneur démon tout court. Et ça, c'est super intéressant puisque finalement, Donan va lui se tourner vers la cathédrale de la lumière, qui est une montée en puissance. Et il va demander conseil à Inarius. Et il va créer le fort Helheim, je crois. C'est pas Helheim, c'est Eldheim. Eldheim, pardon. Et le fort Eldheim, justement, qui sera du coup l'espèce de Tristram pour Astaroth, donc une cité sanctifiée qui va servir de fort pour pouvoir
enfermer en permanence le démon Astaroth. L'idée est excellente. Et donc, entre Donan et les druides, ça va commencer à pas trop s'entendre parce que Donan lui fait ça pour la sauvegarde de Skullsglen. Il a sacrifié pas mal de choses pour que ça se passe bien. De l'autre côté, les druides, eux, bah, ils voient d'un mauvais œil le fait que la cathédrale Lumière s'impose et veuille remplacer les traditions druidiques, sachant que parfois en les remplaçant, ça fout le bordel. Ça, c'est aussi dans les quêtes secondaires. Donc, très intéressant. Et ce qui va être un des motifs de retournement des druides face à Donan et notamment à la cathédrale de la Lumière, c'est ce qui fait que Naphain va complètement péter un boulard. Et Arida, elle, va se joindre à Lilith parce que bah, elle se rend compte que nous n'étions pas prêts pour affronter Astaroth. C'était qu'un seigneur démon. Si les seigneurs des enfers arrivent, bah là, on va tous mourir et ce ne sera pas juste Skullsglen. Donc, c'est intéressant parce que ça va être le moteur aussi de l'explication de pourquoi Lilith va réussir à convaincre Arida et Naphain de les rejoindre, même si Naphain, c'est que de la haine et que de la. C'est vraiment que de la haine. Et donc, elle va alimenter cette haine. Et on a aussi l'idée que Donan a un enfant, Yorin, et qui veut préserver son enfant, son fils, Yorin. Et donc, bah, il se tourne vers la cathédrale de lumière qui est une force importante, enfin, c'est une force qui devient de plus en plus dominante dans la région. Donc, bah, on a plutôt envie de s'allier aux forts pour protéger ceux qu'on aime. Tout l'acte 2 est basé justement sur les conséquences de la période de l'âge des cendres, ou des âges de cendres. Cette période qui a été créée hors champ par Diablo 4 et qui, eh bien, tout l'acte 2, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on doit te narrer pour un nouveau joueur ou un ancien joueur, on doit te faire découvrir la zone de Skullsglen. Zone de Skullsglen. T'as des nouveaux personnages introduits. Rien que ça, déjà, ça pourrait être une intrigue importante. Et en fait, rattacher ça à une période auquel on n'a pas accès. On nous la présente, on nous la dépeint, donc on doit nous dépeindre cette période-là, tout en étant une nouvelle, en nous développant une nouvelle zone et des nouveaux personnages qui ont eu un rôle dans cette période des. Je trouve ça casse-gueule sur le papier, pourtant ça a été excellemment bien fait. Ça permet de nous montrer que le monde a vécu même sans que les joueurs soient là, et que on a des conséquences directes aussi de cette période. Je trouve ça génial, avec l'idée de l'héritage de la lutte précédente contre Astaroth, et que des années après, eh bien, c'est toujours le marqueur d'événements importants, avec l'arrivée de Lilith qui va jouer là-dessus, bien sûr. Et Astaroth, le duc calciné, qui est peut-être le point fort de Diablo 4. Bien sûr, c'est difficile parce qu'il y a Lilith, Inarius, tout ça. Mais Astaroth, il est incroyable. Il est incroyable, Astaroth. Et je trouve. Alors, bien sûr, déjà, Astaroth, fallait pas tomber dans le piège. On aurait pu tomber dans le piège et reprendre vraiment du Diablo 1 ou du Diablo 2, etc. Astaroth, ils ont réussi à faire quelque chose de génial, c'est-à-dire de faire des échos à Diablo 1, bien sûr, au niveau de la pierre, la construction d'une ville, je vous l'ai dit, vis-à-vis de Tristram, il y a des échos, bien sûr, il y a des échos à Diablo 1, mais en fait, c'est même plus des échos à l'exil noir, véritablement, donc une autre œuvre qu'on nous a évoquée dans l'univers étendu et dans les manuels du Diablo 1, mais pas vraiment en jeu, en fait. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est suffisamment différent pour que ce soit pertinent. Bon, pas juste que ce soit, regardez, vous avez vu, c'est l'exil noir. Et en plus, c'est un seigneur démon, c'est pas un seigneur des enfers, donc ça joue dans la narration, en mode, ce n'était qu'un seigneur démon. Imaginez si c'est un des seigneurs des enfers, ce qui va terrifier les druides. Et on peut le comprendre. Et Astaroth, en faire un lieutenant, donc un dans la hiérarchie, j'ai prévu de faire une vidéo sur la hiérarchie infernale et ce qui s'est passé aux enfers, mais Astaroth, en faire un seigneur démon qui serait l'un des lieutenants de Méphisto, juste un seigneur des mondes, Méphisto, et qui au final a une présentation, qui a un style unique. Parce que c'est pas facile non plus. Il y a ces cornes qui font un rappel à Méphisto, bien entendu, cette espèce de corne gigantesque. Mais d'un autre côté, on le fait monter un loup à trois têtes façon Cerbère, sachant qu'il est le gardien, il est le gardien d'une zone, donc il y a le côté vraiment le gros écho à Cerbère dans les enfers. Je trouve l'idée. Et sachant qu'en fait, bah, le loup, en fait. C'est l'incarnation de la haine présente en Naphain, le druide, le loup. Je trouve l'idée excellente, vraiment l'idée est excellente. Et Astartos a une classe incroyable, Astaroth, l'idée de le faire parler dans la pierre aussi, donc on ne le voit pas, et il dégage une puissance. L'idée du pacte avec Lilith aussi, en mode chacun, ce sont des démons, donc sur le papier, tout ce qu'ils disent, c'est teinté de mensonges, etc. Mais montrer le délire très contractuel des démons en mode bah ils ont fait un pacte et du coup ce pacte ils vont l'honorer et je trouve ça génial l'idée de montrer que Lilith fait un pacte avec Astaroth où elle va offrir en pâture ses anciens geôliers à Astaroth
pour pouvoir s'amadouer ses services. Pourquoi? Parce que Astaroth est le gardien du passage qui mène à la cathédrale de la haine, donc le quartier général dans les enfers du royaume de Mephisto, littéralement le palais de Mephisto, et que lui il est le premier gardien de cet endroit, et donc Lilith sait qu'elle ne pourra pas passer outre sans l'autorisation d'Astaroth, donc elle va le libérer parce qu'elle sait qu'il est dans la merde, donc elle a un levier pour pouvoir pactiser avec lui. Le principe est génial, le principe est génial, et elle a la clé des enfers, mais ça suffira pas. Si elle n'a pas l'accord d'Astaroth, elle sera bloquée, donc je trouve l'idée absolument géniale. Et donc, elle compte libérer Astaroth pour garantir le passage, le sauf-conduit entre juste le domaine de la haine et le QG de la haine. Et je trouve ça génial. Vraiment, Astaroth est un très très gros point fort. Et assez terrible avec la mort de Yorin, évidemment, qui est utilisée en tant qu'hôte pour Astaroth, pour libérer Astaroth. Donc, il a en même temps sa vengeance sur celui qui l'a vaincu et qui l'a enfermé, Donan. C'est vraiment très très bien. On enchaîne ensuite avec les steppes arides. Les steppes arides et Khed Bardou. Les steppes arides, zone méconnue hein, au final de Diablo. Dans Diablo 4, c'est vrai que c'était la zone la plus mystérieuse, avec très probablement les pics brisés, puisque c'est celle vraiment qu'on ne connaissait que très peu. Au final, on sait que c'est les frontières nord du Kégistan, mais sans Kégistan nation, hein, l'empire du Kégistan. Donc on ne sait pas vraiment trop ce qu'il en est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, partis sur une inspiration népalaise, tibétaine et mongole pour, on va dire, l'Asie centrale, pour pouvoir nous dépeindre justement cette espèce de zone un peu désertique et qui au final est très intéressante. L'acte 3 qui se repose sur la traque d'Elias, Elias qui est du coup le prêtre qui a ramené Lilith sur Sanctuaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on va y découvrir plusieurs villes, notamment Farobrou, qui sera la première ville, qui est une plateforme commerciale, et on s'en bat les steaks, hein, vraiment, mais moi je trouve ça génial. D'un point de vue cohérence de l'univers, on a une zone frontalière où on voit du coup des personnes qui viennent de Kyovashad, des personnes qui viennent de Kerrigar, donc on a une espèce de plateforme commerciale entre les steppes arides, le Skos Glen et les pics brisés, les pics fracturés. Je trouve ça génial, avec l'idée que bah justement c'est une ville de commerce, etc. Et en même temps, Farobrou, bon, le principe je trouve génial. Et ensuite on voit qu'en fait, tout le build-up de l'acte 3, c'est de nous montrer que la capitale de la zone n'est pas notre capitale. Puisque l'endroit, le hub de gameplay où on va, c'est Khed Bardou. Et en fait, on nous explique quand on est à Khed Bardou qu'il s'est passé quelque chose à Gul'ran, qu'il y a quelque chose de terrible, Les réfugiés arrivent par paquet de 12, hein. Ils arrivent à Khed Bardou pour se retrouver, essayer de voir de la famille, etc. Et ils ont tous fui Gul'ran. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Et tout l'acte 3 va être une montée en pression pour nous expliquer qu'il se passe quelque chose de terrible à Gul'ran, et qu'au final, beaucoup ont fui, ce qui fait que Khed Bardou devient la capitale, dans les faits, des steppes arides. Et c'est intéressant puisque Khed Bardou, contrairement à Gul'ran, n'a pas la même origine, et on nous l'explique dans le jeu. Suite à l'intrigue principale, on découvre la ville et on apprend en fait que Khed Bardou est une colonie barbare. Donc une colonie des fils de Boulkatos, des enfants de Boulkatos, des enfants d'Areat. Et ça, c'est super intéressant. Et j'ai bien fait de ne pas faire la vidéo sur les barbares avant, puisqu'on a eu des nouveaux éléments sur les barbares avec Diablo 4. Et donc Khed Bardou est une colonie faite par la tribu du bœuf, et donc eh bien c'est une ville barbare à l'origine, même si aujourd'hui il n'y a pas que des barbares qui y vivent, c'est une ville d'origine barbare. Là où Gul'ran est le chef-lieu, la capitale locale, l'administration locale du Kégistan et de l'empire kégistanais. Donc ça c'est assez intéressant. Gul'ran a du coup une construction qui est un peu différente de Khed Bardou, avec, même s'il y a des petits points de similarité, là on est plus sur un truc, ce serait Moyen-Orient, mais Moyen-Orient du Sud plutôt, avec vraiment un côté très irakien, très afghan dans l'idée, côté plus empire ottoman je dirais au niveau de l'architecture, même s'il y a des trucs un peu népalais quand même dans le tas, contrairement à Khed Bardou qui elle est vraiment très mongole, tibétaine et népalaise. Donc ça c'est super intéressant. Et moi, vraiment, la mention spéciale, c'est cette image. C'est la montée en puissance et la découverte de petit à petit. On commence à te dire, il s'est passé quelque chose de terrible à Gul'ran. On te montre petit à petit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des menaces qui viennent tout droit de Gul'ran. Qu'est-ce qui se passe?
Et petit à petit, on te dit, il s'est passé quelque chose de terrible, il s'est passé quelque chose. Et il y a un build-up complet, il y a une construction petit à petit qui se fait dans la zone, jusqu'à un moment donné où on te dit, bon bah va à Gul'ran, en fait, le pont est détruit, là t'as un point de vision où tu vois à Gul'ran, il s'est passé, bah, il y a la population qui a été massacrée, etc. Et au final, on arrive ensuite à une ville, le surplomb caché, où on voit la ville derrière, on voit qu'il s'est passé des choses terribles. Et ensuite, on va à Gul'ran dans la fin de l'acte et on découvre ce qui se passe à Gul'ran. Et je trouve la montée en puissance est exceptionnelle. Et au final, la fin de cet acte 3 se termine juste derrière Gul'ran avec le Mont Sivo. Le Mont Sivo qui est un volcan. Un volcan du coup avec des ruines antiques qui se trouvent en son cœur. Qui rappelle énormément Petra hein, en Jordanie. Donc Proche-Orient à ce niveau-là. Avec les ruines de la Triune ou de la Triade. Comme c'est traduit parfois en français, et dans le jeu c'est traduit triade, mais c'est la triune, et donc qui date de la période de la guerre du péché. On est encore une fois dans le contexte Inarius versus Lilith. À l'époque où il y avait Inarius versus Lilith, il y avait surtout Inarius face à la triune, triune qui était dirigée par Lucian, le frère de Lilith, et qui était lui-même le fils de Mephisto et envoyé par les trois. Et Lilith, elle arrivait avec ses propres soldats, qui étaient les humains en fait, hein, et Uldissian notamment, avant que les humains ne se rendent compte de la trahison de Lilith. Et donc, eh bien, il y avait cette opposition cathédrale de la lumière, Triune. Et donc, nous rappeler un petit peu justement que ce sont des endroits très importants de la Triune, c'est assez intéressant, même si on sait que globalement, les anciens sites sacrés de la Triune et de la cathédrale de la lumière, c'est beaucoup plus au sud, sud-est, c'est vers Visjoun, qui n'est pas encore jouable. Donc, on risque d'avoir énormément d'écho à cette période dans une future extension sur la zone sud-est d'Estuar. Et donc le volcan avec les temples des trois en son sein, l'idée qu'il y a eu des sectes démoniaques qui se sont installées là, et donc les restes de la Triune potentiellement, ça marche très bien. Il y a quand même un petit problème de cohérence vis-à-vis de la Triune, à mon sens. J'ai fait une vidéo sur les cultistes démoniaques, un débunkage, je vous invite à aller la voir. Ça aussi c'est un problème de Diablo 4, c'est d'avoir fusionné les Lilin, donc les croyants de Lilith, avec la Triune, qui sont des croyants des trois, comme leur nom l'indique. Sauf que Lilith n'a pas du tout les mêmes intérêts que les trois, et toute l'intrigue principale de Diablo nous le rappelle, donc ça c'est un peu dommage, mais c'était pour, je pense, simplifier les choses, mais au final c'est pas terrible. Nous avons, donc tout l'acte 3 repose sur Gul'ran et les événements de Gul'ran, et on se rend compte en fait que le Mont Sivo c'est la conclusion, et notamment eh bien, qu'une invocation est entamée, et qu'en fait, eh bien, tout ça était pour amener un seigneur des enfers. Au début on se dit, tout porte à croire que c'est... dans l'écho à Diablo 2, que ce soit Duriel, on est dans une zone très orientale, dans une espèce de désert. Quand on va dans les sous-sols, on passe par les égouts de Gul'ran, on a des asticots partout et on nous parle de... au final, Gul'ran, toute la ville a été passée au fer et donc toute la population a été massacrée pour servir d'invocation et de sacrifice pour ramener un seigneur des enfers. Et on nous dit c'est un des seigneurs des enfers mineurs, donc soit Duriel, soit Andariel. Tout porte à croire que c'est Duriel. En fait, à la fin, pas du tout, c'était Andariel. Donc là, le joueur qui connaît un peu s'est fait manipuler. C'était très bien fait, je trouve, de leur part. C'était bien joué. Et avec l'idée d'un miroir inversé, donc on s'attend à Duriel. Et en fait, c'est Andariel à ce moment-là. Et en plus, c'était assez bien fait dans la zone, parce que même en dehors de Gul'ran, on nous avait montré un des sbires d'Elias, puisqu'on traque Elias. On découvre un des sbires d'Elias qui invoque des démons. Finalement, on voit comment ça fonctionne une invocation de démon, on nous rappelle le système d'invocation, et ensuite on passe à une invocation plus majeure, puisqu'on invoque carrément un seigneur des enfers. Problème de la petite de la VF, hein, le démon mineur, non, la trad est catastrophique, en anglais c'est Lesser Evils, ça j'en reparlerai aussi, mais Lesser Evils, donc avec un E majuscule pour le mal absolu, donc c'est juste le moindre mal avec un M majuscule. Donc démon mineur, non, Andariel n'est pas un démon mineur. Andariel est un seigneur des enfers mineur. Donc, c'est quand même un seigneur des enfers, c'est pas n'importe quoi. Et au final, eh bien, c'était plutôt intéressant avec une résolution où on va enfin venger aussi Gul'ran, puisque le boss de fin de l'acte 3 n'est pas Elias, on s'attendait à Elias, et non, ce n'est pas Elias, c'est le tyran cannibale, le roi tyran, qui fait vraiment tyran ogre de Warhammer d'ailleurs, qui est un tyran cannibale, donc qui est celui qui a perpétué tous les actes terrible et vil de Gul'ran en mangeant la population, etc. Et bien justement, on va venger ça en flinguant le chef des cannibales. Et on sauve, on repousse Elias, même si l'invocation a eu lieu. Et en fait, eh bien, il y a la personne que vous voyez sur l'autel, je vais reparler juste après,
qui va abriter le Seigneur des Enfers en son sein, à savoir Andariel. Et ça va être intéressant, on va y revenir après, puisque bah, au final, ils ont réussi leur pari de réussir à invoquer Andariel. Et donc l'acte 4 va être la suite de l'acte 3, c'est vraiment une suite directe, et l'acte 4 a un format très particulier, puisque là où l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3 sont assez longs, l'acte 4 est très court, et c'est beaucoup de, je dirais pas de FedEx, mais c'est du... On va au Kyrgyzstan, dans une ville du Kyrgyzstan, on retourne ensuite dans les caveaux Oradrim, les caveaux Oradric, pardon, enfin, des pics brisés. On retourne ensuite au Kyrgyzstan pour traquer dans le palais d'Elias, qui est une zone du Kyrgyzstan, assez petite d'ailleurs. Et au final, même si la traque était intéressante, on arrive à la fin. En fait, on se bat contre Elias et on se rend compte qu'Elias est immortel. Et au final, eh bien, on va devoir fuir parce que sinon Elias revient tout le temps. À ce moment-là, on se dit, bon, c'est bizarre. Et quand on retourne à un des endroits du Kyrgyzstan qui était un relais au Radrim, globalement une ancienne église du Zakharum, eh bien, il y a Andariel qui fait son apparition et qui sort de son hôte. L'hôte qu'on avait vu, ça faisait très alien. Il y a vraiment un gros côté alien à ce niveau-là, c'est l'idée qu'on est avec l'hôte qui sent Andariel monter en puissance dans sa tête, et elle souffre énormément, elle est terrifiée par ce qui lui arrive, etc. C'est vachement intéressant, et il y a un côté très horreur à l'alien. On sait qu'à un moment donné, Andariel va sortir, elle sait que c'est inexorable. Elle parle un petit peu de ce qu'elle entend dans sa tête vis-à-vis d'Andariel. Elle entend Andariel qui crie comme pas possible, même elle souffre aussi, ils en parlent de ça. Et au final, eh bien, à la fin de cet acte, à la fin de l'acte 4, Elias a globalement hâté la vitesse à laquelle Andariel se libère, et elle, du coup, bah, techniquement, elle devrait tuer son hôte. C'est le cas, en fait, dans toute la licence Diablo, ça a toujours été le cas. Quelqu'un qui est possédé, soit on arrive à repousser le démon, bah, soit et même en repoussant le démon, parfois l'hôte meurt. On a des quêtes secondaires, des pics brisés qui le rappellent. Et là, en fait, c'est un seigneur des enfers. Quand un seigneur des enfers sort d'un hôte, c'est bye bye l'hôte, hein. Rappelez-vous Léa dans Diablo 3, rappelez-vous Aidan dans Diablo 2, rappelez-vous Albrecht dans Diablo 1. Je veux dire, il meurt. Basta. Et là, non. On va en reparler juste après. Et Andariel, au final, le combat d'un point de vue gameplay est ultra, ultra stylé, très très sympa, avec sa forme où elle est à moitié attachée, donc à moitié nerf, puis elle se libère pendant le combat. Andariel rigole zéro, hein. Elle est vraiment, vraiment très stylée. Ses compétences sont intéressantes. On les a modernisées par rapport à Diablo 2, tout en conservant certains aspects, notamment le poison de Diablo 2. Le combat est vraiment très intéressant. Par contre, d'un point de vue narratif, oh, quelle pauvreté, c'est abyssal. La pauvreté narrative est terrible. Andariel arrive sans une ligne de dialogue avant. Pendant le combat, elle parle pas. Alors, je sais que certains aimeraient plus de blabla pendant le combat. Si pendant les combats, elle fait juste vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir, concrètement, on s'en fout. Mais avant le combat et après le combat, elle n'a aucune ligne. Andariel ne prononce aucun mot de Diablo 4. C'est un seigneur des enfers. Il y a des choses qu'elle pourrait évoquer. Par exemple, le fait que sa condition vis-à-vis de Diablo dans Diablo 2, le fait que. Elle a été trahie au final dans Diablo 3, puisque bah, globalement la pierre d'âme noire on l'a introduite à son insu. Enfin, genre, il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce qu'elle en pense du retour des Seigneurs des Enfers? Quelle est sa position vis-à-vis de Lilith? Sachant qu'on apprend dans l'acte 3 que Elias et la Triune et Lilith veulent invoquer des Seigneurs des Enfers mineurs comme Lilith en Andariel pour les invoquer et siphonner leur puissance pour pouvoir alimenter des armes contre les seigneurs des enfers majeurs, à savoir Mephisto, Diablo et Baal. Ça pourrait être super intéressant d'avoir ça. Et donc l'espèce de carcan là dans lequel elle est attachée, ça semble être justement une idée de la nerf pour pouvoir la siphonner tranquillement et récupérer sa puissance, comme Elias nous l'évoquait. Donc, bah, donne-nous des infos, c'est pas n'importe qui, c'est un seigneur des enfers! Au final, que dalle. Et je trouve ça vraiment très dommageable parce que pour Andariel, tout l'acte 3 est super intéressant. La construction de l'acte 3, je la trouve géniale. Tout le build-up sur Andariel est excellent. Et au moment où on devrait avoir, on va dire, l'apothéose, eh bien là, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que bah, le perso, il dit rien et on s'en fout, quoi. Et à la fin, elle meurt et basta. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que en plus, son hôte, Thaïssa, parlons-en de ce personnage, eh bien, il survit. C'est le premier perso qui survit à une possession, hein.
Ah, vous allez me dire, il y a Léoric. Ouais, Léoric a eu des traces, lui, par contre. Léoric est vraiment le personnage qui a survécu à une possession d'un Seigneur des Enfers, mais ça a laissé des traces. Le mec est complètement devenu fou, et au final, tôt ou tard, il a aidé à la libération de Diablo, malgré lui. Là, c'est pas du tout le cas de Thaïssa. Thaïssa, elle survit à la possession d'Andariel. Andariel se libère, et visiblement, pas de problème. Et on est en mode, mais non, non, ça marche pas comme ça. Et pour moi, c'est le personnage le plus mal écrit de Diablo 4, Thaïssa. C'est une vraie déconvenue pour l'opus parce que c'est un personnage fonction de A à Z. Elle est là uniquement pour le scénario et faire avancer le scénario. Elle sait des trucs qu'elle ne devrait pas savoir. Elle survit à des choses auxquelles elle ne devrait pas survivre. Tout ça pour faire avancer le scénar. Puisque globalement, c'est elle qui va parler d'Aouezar et donc la suite, bah, ça va être Aouezar. Tout ce truc-là rappelle aussi que Elias, pour cette. Elias, pour ses plans, a eu besoin de l'œil aveugle. L'œil aveugle, c'est donc la relique exceptionnelle dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les Amazones et la vidéo sur les rogues. C'est une relique des rogues, et les rogues n'apparaissent pas. Moi, mon personnage rogue, on n'a rien à foutre. Et c'est absolument terrible, surtout que l'œil aveugle ne sera pas fini. On va l'utiliser après sur la suite de Diablo 4. Et elle connaît l'œil aveugle. C'est pas une rogue. Donc au départ, moi, je me suis dit, oh, ça doit être une rogue. C'est pour ça qu'en fait, ça doit être une rogue, le personnage. Il a traqué Elias pour récupérer l'œil. Elias l'a utilisé comme hôte pour Andariel. En même temps, ça fait plaisir à Andariel qui, du coup, avait un lien avec les rogues et tout. Je me suis dit, ça doit être un truc comme ça. Ce qui explique pourquoi ce personnage est lié aux rogues, l'œil aveugle, etc. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Et c'est une catastrophe. Finalement, on découvre que c'est une sorcière d'Aouezar. Elle n'a aucun lien avec l'œil aveugle, mais elle sait comment ça marche et elle sait comment il fonctionne. Non, c'est une relique cachée par les Amazones. Non, tu n'y connais rien, non, ma grande. Et aussi, alors là, c'est un sujet un peu épineux de la vidéo. On sait que le développement de Diablo 4 a été compliqué. Je vous mettrai ça dans les sources, dans la description. Ça a été un peu compliqué, Diablo 4, notamment parce que bah, certains des anciens directeurs Diablo 4 ont été concernés par les procès de Blizzard, notamment vis-à-vis de harcèlement sexuel et d'harcèlement tout court à l'égard de femmes et de personnes homosexuelles, trans, etc. Et de globalement toutes les minorités, on va dire, notamment minorités ethniques aussi. Et au final, Thaïssa, ce personnage, est une femme. Il y a eu notamment certaines sources là-dessus l'évoquent bien, le fait qu'il y a un personnage féminin qui devait être à poil. Et en interne, ils ont beaucoup lutté pour pas qu'elle soit à poil. Finalement, on la voit avec un petit truc façon Ellen Ripley dans Alien. Et ce personnage, il y a un énorme problème. J'ai entendu, alors pour le coup, j'ai même pas de source là-dessus, mais il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Thaïssa, en fait, c'est une fusion de deux persos qui aurait dû être présent. Et honnêtement, ça ne me choquerait pas que ce personnage aurait dû être un personnage rogue qui aurait dû mourir à la fin de l'acte 4, auquel on se serait attaché, et que du coup, Thaïssa soit la sorcière d'Aouezar qui aurait aussi des liens avec Elias et qui aurait une fusion entre les deux. Parce que c'est vraiment. Il y a un problème avec ce perso. Il y a vraiment un énorme problème. En dehors d'être juste un personnage fonction, et c'est dommage parce que c'est le seul vrai personnage fonction de Diablo 4, parce que les autres, ce sont tous des vrais persos avec des buts, des motivations et autres. Elle, à part sa traque d'Elias, et même sa traque d'Elias fait très superficielle. Dans l'acte 5, avec Aouezar, il y a 2-3 trucs, mais même ça a l'air d'être. Enfin, on rattache ça de manière très étonnante. Donc au final, il y a quelque chose de pas net vis-à-vis de Thaïssa. On sent qu'il y a eu des enjeux, que ce soit scénaristiques ou peut-être des enjeux en interne pour en faire un personnage opposé, le côté femme-objet à une femme utile et importante, mais ça s'est mal fait quelque part, il y a un truc qui va pas. Et c'est une catastrophe pour moi. Ce personnage est une catastrophe d'écriture. C'est pas possible. Elle sait des choses auxquelles elle ne devrait pas avoir accès. Elle fait avancer le scénar et elle survit à quelque chose auquel elle n'aurait pas dû survivre. En fait, tout simplement. Donc il y a vraiment un gros problème avec ce personnage, je trouve. Et c'est elle qui va nous servir d'introduction et qui va nous aider dans les marais. Puisqu'en fait, comme ça aussi, à un moment donné, elle révèle qu'en fait, bah, c'est une sorcière d'Aouezar. Mais elle le dit même pas à la fin de l'acte 4, hein. Je veux dire, elle pourrait nous en parler avant, ça pourrait nous aider à combattre Elias, à savoir. Non, non, c'est au moment où le scénario en a besoin, c'est elle qui fait des révélations en mode ah, en fait, je suis sorcière d'Aouezar. D'accord, parce que là, c'est vrai que je vous l'ai vendu en mode c'est presque une transition avec la. Mais non, même pas! C'est pendant l'acte 5, elle dit en fait, je suis une sorcière d'Aouezar. Ah bah, merci de nous prévenir, c'est très gentil, merci à toi! Donc c'est vraiment très très bizarre ce personnage, et il est très très mal écrit, je trouve. Et je pense que ça aurait mieux fait effectivement d'être une rogue qui serait parti à la recherche de l'œil aveugle,
qui aurait traqué et qui finalement serait fait choper par Elias et aurait été tué. Il y aurait une forme d'ironie tout en faisant un clin d'œil à Diablo 2 avec Andariel qui sort d'un rogue. Mais l'idée, ils auraient pu vendre ça pour pas faire juste on va dire c'est pour faire plaisir aux fans. Juste un truc en mode, bah en fait, il fallait réussir à amadouer Andariel et lui sacrifier une rogue, bah ça lui fait du bien, il est très content. Donc, elle est très contente. Donc au final, on se retrouve dans l'acte 5 dans une zone assez attendue puisqu'on la connaît bien pour le coup. On passait de Stepzarid qu'on connaissait pas. Là, cette zone, on la connaît, enfin, on la connaît bien. On la connaît pas tant que ça, mais parce qu'on n'avait jamais été, mais on connaissait par exemple la ville d'Ourée. On savait que c'est le marécage où il y avait les nécromanciens et que c'était aussi un endroit important vis-à-vis des croisés. Eh bien, c'est le cas. Alors, petite surprise finalement, puisque la ville des croisés finalement, au final, on n'a pas Ourée. Ourée est bien présente, mais c'est plus un clin d'œil et elle est vide. On risque de voir des trucs concernant Ourée très probablement dans des extensions plus tard, mais pour le moment elle est vide, on passe devant et c'est la ville oubliée d'Ourée. Et finalement, découverte d'une ville, Zarbinzet qui est la capitale locale et qui est la ville du Zakharoum, une ville kégistanaise, hein, du coup la ville des croisés du Zakharoum, là où ils envoient leurs petites expéditions dans les marais pour essayer de retrouver la tombe d'Akarat. Et on découvre la deuxième grande ville aussi, c'est Wejinani, la ville des autochtones, vraiment des habitants d'Awezar, des habitants du marais qui ont des croyances plus païennes. Et là encore une fois, il y a une rivalité entre la religion dominante, le Zakharoum, et la religion plus païenne, les sorcières Wejinani. Et ça, c'est assez intéressant, encore une fois, dans le côté nouvelle tradition, ancienne tradition, alors que le Zakharoum est assez ancien au final. Et donc on a cette dichotomie avec Cathédrale de la Lumière et les druides à Skaz Glen. Là, on a justement les religions des marais vis-à-vis du Zakharoum. Je trouve ça dommage, du coup, que dans les Steps Arid, ils aient pas fait un petit truc comme ça aussi, et une opposition croisade de la Lumière, enfin, Cathédrale de la Lumière et Zakharoum à un moment donné. Mais bon, dans tous les cas, on a donc cette ville d'autochtones qui est assez intéressante, avec notamment la sorcière Thaïssa qui en fait est originaire de là-bas et qui va nous aider. Il y a le seul petit bon point de Thaïssa, je trouve, c'est le côté sa quête vis-à-vis de Donan pour lui rappeler des souvenirs, et ça c'était assez intéressant, mais sinon, personnage, c'est une catastrophe, je trouve. Et donc, globalement, il y a toute une intrigue de croisés qui cherchent la tombe d'Akarat, comme je l'évoquais, donc qui est le fondateur du Zakharoum. Hein. Je compte faire une vidéo, d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le Zakharoum et les croisés, je compte faire une vidéo sur le Zakharoum et les paladins. Comme ça, je pourrais compléter la vidéo sur le Zakharoum. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir un contexte concernant cette ville du Zakharoum et que l'ordre et l'église existent toujours. Mine de rien, l'ordre des croisés, on pouvait se demander un petit peu après Diablo 3, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Ils sont toujours là et c'est devenu une de leurs priorités dans ces temps difficiles de rechercher justement eh bien, la tombe d'Akarat. Mais c'est pas tout, parce qu'on a des infos. Pour enfermer Lilith, on doit réparer puis marquer la pierre d'Astaroth afin qu'elle fonctionne pas pour Astaroth mais qu'elle fonctionne pour Lilith. Et donc il faut la marquer par la haine, il faut marquer la pierre avec la haine, etc. Et ça c'est toute l'intrigue de l'acte 5. Et au final on va aller dans un endroit auquel on ne s'attendait pas, la tombe de Sankekur. La tombe de Sankekur, Sankekur qui était l'hôte de Mephisto dans Diablo 2, le grand pape, hein, le Kuegan du Zakharoum. Et au final, on l'a caché dans les marais pour éviter que ça tombe entre toutes les mains des autres persos, enfin des sectateurs démoniaques et autres. Et en fait, eh bien, on découvre qu'il y a les gardiens locaux du Zakharoum, qui ne sont pas des croisés, qui sont des paladins, hein, différence entre les deux. Et en fait, on se rend compte que cette expédition, elle était dirigée par le paladin de Diablo 2. Et on a enfin un nom pour ce personnage, il s'agit du maréchal Karthas, le chef de l'ordre des paladins, qui a été bombardé maréchal suite à ses victoires dans Diablo 2, et il a choisi de, lui et ses paladins, de rester là et de protéger la tombe. J'ai pas encore fini toutes les intrigues secondaires d'Awezar, mais c'est du très très bon. Les intrigues secondaires d'Awezar, elles commencent. J'ai commencé là et c'est du très bon. Il y a vraiment du très très bon. Pour le moment, c'est excellent. Et l'idée d'avoir fait une tombe à Sankekur et aussi de développer Sankekur en mode, est-ce que c'était vraiment une pupute ou pas? Et en fait, on commence à se dire que le mec, notamment dans le livre de Laura Snar aussi, ils évoquent le fait que bah, peut-être que Sankekur, même s'il était ambitieux, tout ça, c'était peut-être pas un mauvais bougre, et que Mephisto était juste trop fort. Et là, amené vers le côté terrible, c'est vachement intéressant. Et enfin, du développement sur un personnage, un ancien personnage, notamment les personnages Diablo 2, où il n'y avait pas grand-chose. Hein. Merci Heroes of the Storm pour le coup, avec Xul et Cassia.
Eh bien, ça y est, on a plus d'infos avec un nom et un acte et un destin, puisque bah, il est mort donc à Wesar Karthas en protégeant le monde de du fléau de Mephisto, puisque même après sa mort, Mephisto continue d'hanter Sankekur, et malgré la mort de Sankekur aussi. Donc c'est du très bon. C'est vraiment du très très bon. C'est vraiment du très très bon cette zone. Ce passage est excellent. Et au final, dans Awesar, on voit autre chose aussi. C'est Tragoul. Eh oui, Tragoul apparaît dans Diablo 4 de manière mystique. On l'avait vu sur une peinture dans l'acte 1. Mais dans l'acte 5, eh bien, à un moment donné, il y a un passage où on est perdu dans les marais et on commence à sniffer, à commencer à sniffer de l'encens. Et de manière assez mystique, eh bien, il y a Tragoul qui fait son apparition. C'est confirmé dans le livre de Lore Asnar qu'il s'agit bien de Tragoul. Et au final, ça nous rappelle d'ailleurs le lien très ténu qui existe entre Tragoul, qui est un dieu au final de sanctuaire, qui n'est pas lié aux anges ni aux démons, et qui est également du coup le grand organisateur, on va dire, de la pensée de Ra'tma et de la création des prêtres de Ra'tma, que sont les nécromanciens. Donc on rappelle le lien entre Awesar et les nécromanciens vis-à-vis de Tragoul qui est présent dans les marais. Nouveau lieu sacré aussi pour les nécromanciens avec la bibliothèque de Ra'tma qu'on va explorer. C'est l'endroit où on découvre en fait le secret de l'immortalité d'Elias, qui en fait a sacrifié une partie de son corps, donc un doigt, pour tant que le doigt est en vie, enfin tant que le doigt est en vie, le doigt n'est pas en vie, mais tant que le doigt est préservé, Elias est immortel. Donc on récupère cette relique, ce qui permet de détruire le doigt, ce qui fait qu'Elias ne perd son immortalité. Ça c'était plutôt intéressant dans l'idée et ça marche bien. Et au final, on découvre aussi à Awesar un culte du serpent, et ce qui semble être une espèce de parodie d'un culte de Tragoul, ou alors, mais ça pour le moment j'ai pas encore la réponse, est-ce que ce serait parce que le serpent, ça nous fait penser à un autre seigneur des enfers, c'est Bélial, est-ce que ça sous-entendrait un truc vis-à-vis de là, j'ai pas encore la réponse, mais c'est assez intéressant. Comme je le disais, enfin la traque d'Elias se termine, très lié à Awesar par sa condition immortelle comme je l'évoquais, hein, puisqu'il a piqué dans les travaux de Ra'tma pour atteindre une forme d'immortalité, et ça c'est assez bon, puisqu'il y a aussi cette promesse, on découvre un arbre, l'arbre au murmure, qui est un arbre où en fait c'est l'arbre de la connaissance, mais en gros si tu veux une connaissance spécifique, tu peux te sacrifier, dire que tu vas donner ta tête à l'arbre des murmures, et au final tu auras accès à la connaissance, mais un jour ou l'autre, l'arbre récupérera son dû, et du coup t'arracheras la tête et récupérera ta tête, ce qui est assez noir au final, ce qui est assez intéressant. Et donc Taïssa, justement, notre chère Taïssa, est un personnage exécuteur envoyé par l'arbre pour aller récupérer les têtes. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas du tout besoin de Taïssa pour que l'arbre récupère sa tête. Donc c'est très très bizarre à ce niveau-là, mais bon, c'est encore une fois, le personnage est là pour faire avancer le scénario et c'est tout. Et au final, eh bien, pour avoir accès justement à la tombe de Ra'tma, enfin pas la tombe de Ra'tma, pardon, à la bibliothèque de Ra'tma, Elias avait fait un pacte avec l'arbre, et ce qui va lui permettre de devenir immortel. Et c'est là que ça va être très intéressant, parce qu'on va découvrir la psyché d'Elias, et on se rend compte que lui-même, bah, il a... C'est vachement intéressant, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est très riche, très profond, qui est au final l'apprenti de Lore Asnar, mais qui derrière, eh bien, avait ses propres doutes, était pas forcément... Même s'il croyait en Lilith, il avait quand même, au cas où, assuré le truc, si jamais Lilith n'était pas, on va dire, ne satisfaisait pas ses attentes. Et donc, le perso est ultra intéressant, le doublage français est légendaire, hein, Féodor Atkin qui forcément rajoute 10 points de charisme au perso, mais même sans ça, le perso est vraiment, vraiment très intéressant, et d'ailleurs, sa fin, c'est honnêtement un personnage emblématique de Diablo 4 aussi, Elias, qui... on découvre d'ailleurs aussi que la tombe où était enfermée, enfin la tombe de la cinématique où Elias va libérer Lilith, ça c'est dans les quêtes secondaires, et se passe à Awesar, donc il est vraiment très connecté à Awesar, Elias. Et au final, Elias c'est un petit peu le Lazare de Diablo 1, puisqu'il y a un gros côté Lazare, l'idée d'un chef cultiste démoniaque, Lazare, le fait qu'il soit immortel, tout ça, lui au sang. C'est vrai qu'Elias, il y a des gros parallèles à faire avec Lazare, sauf que c'est un Lazare beaucoup plus intéressant, qui n'est pas juste un gros con, qui a des... En fait, Elias pense vraiment à l'image d'un Zoltun Kul, un Aura Dream noir, un Aura Dream qui aurait trahi l'ordre, et qui aurait choisi de... D'ailleurs, on le voit au départ, les premières broches qu'il devait avoir, c'était des broches liées au serpent, et notamment des broches Aura Dream, mais vis-à-vis du serpent.
Et c'était assez intéressant pour rappeler son lien avec Awezar. Et je trouve le concept assez cool, même si finalement ils ont mis un pentacle, parce que bon, bah, c'est démon, tout ça. Mais l'idée était assez intéressante, puisqu'il a rejeté l'ordre au Radrim au final. Donc c'est vrai que lui mettre une broche au Radrim, ça aurait été un peu bizarre. Mais Elias, le perso, est ultra intéressant, parce que lui-même, en fait, a été convaincu par Lilith, en mode, il sait qu'on a besoin de Lilith pour protéger le monde, et que les seigneurs des enfers vont arriver. Donc c'est un personnage aussi assez gris, qui est prêt... la fin justifie les moyens, et malgré tout, il a des doutes, et on voit parfois des petits moments de conflit vis-à-vis de Lilith. La construction du personnage, elle est brillante, je trouve. Et ce qui est cool, c'est qu'il pourrait faire des petits coucous par la suite. C'est pas terminé pour lui, parce que même s'il meurt et on le tue, eh bien sa tête rejoint l'arbre des murmures, donc on pourrait encore entendre des conseils d'Elias vis-à-vis de l'arbre des murmures, et du coup entendre encore une fois Féodor Adkin nous susurrer des mots doux à l'oreille, ça régale. Donc vraiment le personnage est très bien travaillé, il y a des échos à des anciens personnages, Shankekour, Diablo 2, et également vis-à-vis de, comment il s'appelle, vis-à-vis de Lazare, mais c'est pas non plus, c'est pas juste un copier-coller, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Nous arrivons... au Kyrgyzstan. Alors le Kyrgyzstan, c'est très bizarre comme je le disais, puisque l'acte 4 est très court et au final se passe au Kyrgyzstan pour une grande partie de son histoire, mais au final c'est qu'un bout du Kyrgyzstan. Là on va atteindre un nouveau bout du Kyrgyzstan, mais qui est aussi très petit, c'est Caldeum. Et donc en fait, Kyrgyzstan apparaît dans l'acte 4 et dans l'acte 6, mais au final on ne voit quasiment rien du Kyrgyzstan dans l'intrigue principale. Pour vous dire, n'ayant pas encore fait les quêtes secondaires du Kyrgyzstan, eh bien je n'ai pas encore vu la capitale du Kyrgyzstan, qui n'est plus Caldeum puisqu'elle a été détruite, c'est Geakul. Geakul qu'on avait beaucoup évoqué avant. Donc au final, eh bien, c'est vrai que Kyrgyzstan, on n'y a pas fait grand chose en fait. Hein. C'est surtout dans les quêtes secondaires qu'on explorera le Kyrgyzstan. Et au final, ça reste quand même une ville très importante, puisque elle était déjà tise, si vous n'avez pas fait attention, dans l'acte 1. Quand vous allez dans la cathédrale de la lumière, et vraiment la cathédrale de la cathédrale de la lumière, il y a un plan de bataille et on voit qu'en fait la capitale du coup, de la cathédrale de la lumière, c'est Kyovashad, et la capitale des cultistes de l'élite, c'est Caldeum. C'est marqué. Donc on vous tease le fait que Caldeum, ce sera la fin de l'histoire. Et que c'est une ville extrêmement importante, hein, c'est l'une des plus grandes villes humaines de Sanctuaire, donc on va pas vous la balancer pour rien. Et au final... eh bien, quand on arrive à la fin, Caldeum est à l'image de ce qu'on s'attendait de voir, donc une très grande ville, magnifique, superbe, avec cette espèce de puits de sang qui t'introduit aux vagues infernales avec l'invasion des enfers. Et au final, c'est la capitale des cultistes et toute la ville a été sacrifiée, comme pour Gul'ran, elle a été sacrifiée pour invoquer un seigneur des enfers aussi. Et cette fois, ce n'est pas Andariel. On découvre que Caldeum a été sacrifié pour... invoquer Duriel. Alors, si vous avez loupé cette info, c'est normal, il faut bien prêter l'oreille, parce que c'est même pas vraiment dit, c'est plus sous-entendu que il s'est passé à Caldeum la même chose qu'à Gul'ran. Et là, comme on t'a expliqué ce qui s'est passé à Gul'ran, tu fais le raccrochement, enfin on va dire tu raccroches les wagons en disant « D'accord, donc la ville comme Gul'ran a été sacrifiée pour amener un seigneur des enfers. » Et comme dans la ville de Caldeum on croise Duriel, on se dit « ça doit être lui qui a été invoqué grâce à ça. » Le problème, c'est qu'on ne voit rien. Et là où Andariel, on avait un super build-up, mais que la fin était nulle, Duriel, il n'y a même pas de build-up, c'est juste nul. C'est terrible. Il n'y a rien qui va pour Duriel, c'est un gâchis monumental. Le principe, c'est que la ville, elle est sacrifiée, mais on ne le voit pas tant que ça. Il y a un moment donné une ligne qui te dit « ça rappelle Gul'ran. » Et au croisement d'une rue, on croise Duriel qui se pointe, pas un mot, rien, il nous attaque. Alors le combat est beaucoup plus intéressant que sur Diablo 2, d'un point de vue gameplay c'est mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire comme peut l'être le combat contre Andariel. Et au final il ne dit rien, on s'en fout, on ne sait pas. Et là où au moins Andariel avait cette espèce de carcan qui nous explique que le perso est un peu nerf, potentiellement pour récupérer son pouvoir, etc. Là il n'y a rien, Duriel il est sous sa forme telle qu'on le connaît. On s'en bat les steaks, donc c'est très 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 bizarre, et en fait, là on est sur un... Je vous ai souvent parlé d'écho à Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, mais qui était fait de manière intelligente. Là on est sur un écho bête et méchant de Diablo 2, et c'était nul dans Diablo 2. C'est pas en le reprenant pareil que ça en fait quelque chose de bien, parce que c'est le sacro-saint Diablo 2. Non, c'était de la merde dans Diablo 2, c'est toujours de la merde dans Diablo 4. Et là on arrive sur un des problèmes de Diablo 4. Alors, c'est pas un problème majeur, c'est un problème mineur. Diablo 2 a marqué de sa main, marqué de son emprise, les joueurs et les développeurs.
que soit les devs en tant que joueurs, que soit les devs par rapport au retour qu'ils ont subi, Diablo 2 est mis sur une espèce de piédestal par la communauté Diablo, comme quoi c'est le meilleur Diablo 2, le Diablo 2 c'est le meilleur Diablo, blablabla, blablabla. Et avec l'accueil particulier qu'a eu Diablo 3, même si Diablo 3 est salué grâce à Reaper of Souls, il y a eu une déconnexion, il y a eu une espèce de coupure entre Diablo 2 et Diablo 3. Et le fait que Immortal arrive n'a pas arrangé les choses, donc c'est vrai qu'il y a eu un gros relent assez agressif, toxique, vis-à-vis de Diablo 3 et surtout Diablo Immortal. Bah, les devs de Diablo 4, ils sont en mode, on nous bassine avec Diablo 2, eh bien, on va vous mettre du Diablo 2, en fait. Hein. On va éteindre la lumière, comme ça vous avez l'impression que c'est noir. Et on va... Donc, d'un point de vue gameplay, il y a beaucoup de choses qui rappellent Diablo 2. Mais c'est plus gameplay... c'est même pas vraiment gameplay parce que le gameplay de Diablo 2, bon, il est rincé, mais il a très mal vieilli. Mais l'affichage, par exemple, certains trucs sont clairement des échos directs à Diablo 2, donc on sent qu'il y a le. Vous avez vu, vous avez aimé Diablo 2, on fait la même. Hein. Et au niveau histoire, ça va. Mais là, par exemple, vous tombez dans les travers du Diablo 2 fan, waouh, qui sont devant l'hôtel de Diablo 2, là, comme BA, de manière idiote. Et au final, bah, voilà ce que ça donne, c'est un Duriel nul à chier. Et la plupart des échos à Diablo 2 sont quand même faits avec intelligence, ou aux anciens Diablo d'ailleurs de manière générale, je pense à Laura Snar qui a un écho à Deckard Cain par exemple, Elias qui a un écho à Lazare ou Sankekur, Astaroth qui pourrait rappeler un petit peu le Rôdeur Noir surtout la libération des démons, tout ça, Nerel qui est au final la Rôdeuse Noire hein, à la fin de Diablo 4, Mais avec Duriel, même la tombe de Sankekur qui est très intelligemment faite, on récupère du Diablo 2 mais pour faire avancer le récit, là on fait juste du bête et méchant, du bis repetita pour Diablo 2 et c'est nul pour du fanservice mauvais en fait, du très mauvais fanservice, donc c'est une catastrophe. Et au final, Duriel, on le bat, finalement on descend dans Caldeum mais en fait on découvre que sous Caldeum il y a une porte des enfers, la fameuse clé qui va permettre d'ouvrir la porte des enfers. Alors l'histoire que Caldeum avait une porte des enfers, ça sort de nulle part. En soi, heureusement, le livre de Laura s'en parle là-dessus et nous évoque qu'il n'y a pas qu'une porte des enfers, il y en a d'autres, ce qui est très bien parce que la porte des enfers de Caldeum. Et on pourrait avoir plein de questions sur cette porte des enfers. Quand est-ce qu'elle a été construite? Est-ce que ça date de la période de la Triune et la guerre du péché? Est-ce que ça date d'autre chose? Eh bien, on ne sait pas à ce niveau-là. Est-ce que c'est Lilith qui l'a fait construire? Est-ce que c'est Belial à l'époque où il contrôlait le Kegistan à Caldeum dans Diablo 3? Est-ce que c'est encore plus vieux que ça? On ne le saura jamais. Enfin, on le saura peut-être, mais pas dans Diablo 4. Pas dans le Diablo 4 Vanilla, on va dire. Et au final, eh bien, on va découvrir les enfers. Et globalement, donc ça c'est l'acte 6, hein, le Caldeum et les enfers, et... Là où Diablo 4 a une patte graphique exceptionnelle, ce qui est vraiment une œuvre d'art, il y a une ambiance musique, une ambiance artistique, vraiment, chaque zone est différente et unique. J'avais un peu peur que les steppes arides et le Kegistan, ça se ressemble un peu de trop, et finalement, non, ils ont réussi à faire, parce que c'est deux zones un peu arides, désertiques, et au final, non, ils ont su bien différencier les deux, et ça marche très bien, musicalement, architecturalement, visuellement, c'est pas du tout les mêmes thématiques. Et c'est vachement intéressant. Il y a juste Caldeum et Gul'oran. Bon, là, évidemment, il y a un écho direct, mais sinon, ça va. Et même Caldeum est suffisamment différente de Gul'oran pour qu'on puisse faire la différence. Donc, moi, ma petite déception dans les enfers, et c'est vraiment... Je dirais que c'est juste qu'on a tellement été habitué à des trucs bien que j'ai été un peu déçu des enfers. Pourquoi? Parce que bah, c'est très classique. Je veux dire, les enfers, je trouve, dans Diablo 4, c'est très classique. C'est une zone volcanique. Comme les enfers ont été dépeints, je veux dire, des milliers de fois. Et vous allez me dire, mais c'est normal, Malga, on a déjà vu les enfers, fallait que ça respecte ce truc. Non! On a vu des domaines des enfers. Notamment, je pense à Diablo 2, où on a été dans les enfers d'un Diablo 2. Oui, mais c'était le domaine de la destruction. C'était le domaine de Baal. Donc que tout soit en volcan, en mode tout est pété, la terre est fracturée, machin, ça marche. Là, on est dans le domaine de la haine dans Diablo 4. Alors heureusement, il y a quand même des petites différences avec les textures au sol, ça ressemble pas non plus aux enfers de Diablo Immortal, même s'il y a des points communs, il y a quand même des points de différence. D'ailleurs, je trouve que les enfers de Diablo Immortal sont meilleurs que celles de Diablo 4. Oui, j'ai prononcé ces terribles mots. Et même si c'est pas non plus, ça casse pas quatre pattes à un canard non plus dans Immortal. Et je trouve du coup que ces enfers sont limite un petit peu trop classiques. Là, t'es un peu déçu, c'était pas... Ça aurait pu être mieux. D'ailleurs, notamment en parlant des codes couleurs. Le code couleur de Mephisto, c'est le bleu.
sa pierre d'âme est bleue, il est censé être bleu, etc. Donc, bah, j'aurais bien aimé des enfers bleus, de la lave bleue, etc. Ça change, on arrive à avoir le côté infernal, tout ça, mais en mettant bleu, bon, bah, ça fait quelque chose de différent un petit peu. Je demandais pas, vraiment, je demandais pas énormément. Hein, je demande, vous remplacez juste la lave par du bleu, c'est bon. Regardez, je vais vous le faire en direct. J'aurais voulu, en colorimétrie, c'est globalement bah, bleu. Voilà. Ça, vous mettez ça, c'est bon, je suis content. Vous mettez ça, je suis content. Là, c'est un peu trop classique, je dirais, et c'est un peu dommage. Heureusement, il y a cette espèce de statue de fusion entre des êtres humains, des âmes humaines et le décor, le sol, qui rend le truc assez intéressant. Et même ça, je l'ai déjà vu dans d'autres univers qui dépeignaient les enfers, donc j'étais un peu déçu. Au final, on suit l'invasion humaine de la cathédrale de la Lumière menée par Inarius qui attaque les enfers avec son armée. Encore une fois, il n'utilise les êtres humains que comme armée pour aller affronter. Pour affronter Lilith et les démons. Et au final, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous fait venir après la bataille. Et on se rend compte qu'ils se sont fait massacrer. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Parce que d'un côté, c'est ultra frustrant. Parce qu'on se dit, bah merde, il y avait la cinématique et tout. On s'attendait à suivre l'armée de la lumière. Et en fait, on arrive trop tard. Ils se sont fait massacrer. Et sachant qu'on avait vu la cinématique, puisqu'elle avait été annoncée, montrée et tout, moi je me disais, bah, c'est quoi, elle est où cette cinématique? Et en fait, ça va être un flashback de ce qui s'est passé, pour justement garder un côté oppressant, parce que si tu vas avec l'armée de la lumière, tu te sens en sécurité, l'armée de la lumière arrive, flof, 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 ça flingue tout, tous les démons, et du coup, tu te sens en sécurité. Donc pour éviter ça, eh bien, ils nous montrent qu'en fait, pendant qu'on était encore à Caldeo, mais ben, eux, ils ont avancé et ils se sont fait plier. Et on voit du coup les soldats de l'église de la lumière qui se sont fait massacrer. Et ça, c'est super intéressant. Je trouve c'est très intelligent d'un point de vue game design. Et aussi, on va améliorer le côté ambiance né négative, l'ambiance néfaste, l'ambiance oppressante des enfers, l'insécurité du lieu, avec ce côté flashback et montrer que tout a été détruit. Et en même temps. En termes de gameplay, on te met boss sur boss sur boss sur boss sur boss. Tu ne peux pas souffler. Tu te dis, c'est bon, j'ai buté un boss, c'est bon. Je commence à comprendre comment ça se découpe. J'ai buté un boss, c'est bon. Maintenant, ça va être Lilith. Et ben non, c'est deux boss du coup. Ok, bon, bah on affronte deux boss. Et bon, tu vas pas m'en mettre trois. Bah si, trois boss. Et ensuite, trois boss. C'est bon, c'est fini. Et ben non, on te met un world boss. Et là, t'es en mode, oh la vache. Libérez-moi. Ce qui peut avoir un côté un peu saoulant pour certains, je pense. Mais au moins, on peut pas dire que c'est pas oppressant. Et clairement, on sent qu'on est dans les enfers. Et d'ailleurs, présentation d'Ashava, qui est un des world boss, un des trois world boss pour le moment de Diablo 4, c'est du game design, je trouve, très intelligent, puisque ça vous habitue à voir, vous découvrez l'un des world boss, voir que les combats de world boss sont pas du tout pareils, le combat est ultra stylé, et bah, ça vous amène. En plus, vous vous battez aux côtés de Donan et tout, alors que dans le gameplay, vous allez vous battre avec d'autres joueurs. Là, c'est un combat solo avec Donan, Nerell, et bah, il manque quelqu'un, je crois. Je sais plus s'il y a Thaï... Non, il n'y a pas Thaïssa. Ah bah, Loras, je suis bête. Loras, Nar, Donan et Nerell. Les trois vous aident à combattre. Donc, c'est vraiment les Zoradrim ensemble qui se battent. Les trois Zoradrim qui se battent contre un seigneur démon. Enfin, c'est super malin, super bien vu. Je trouve le game design très intelligent. Et ensuite, finalement, eh bien, il y a le face-à-face où on découvre le flashback avec la cinématique. Lilith face à Inarius. C'est la cinématique ultra. Badass, hein, la deuxième CGI de Diablo 4. Sachant que cette cinématique est très longue, hein, sachant que je rappelle que les cinématiques comme ça en CGI, ça coûte extrêmement cher, hein, c'est en millions d'euros. Donc, un duel Inarius versus Lilith et des mois, voire des années de travail, d'ailleurs, j'en profite aussi pour le rappeler. Donc, d'un côté, il y a un duel Inarius-Lilith, qui est un duel à la fois une joute verbale et une joute tout court. Et en même temps, il y a les armées de la cathédrale de la Lumière qui affrontent les armées des démons de Lilith. Et c'est super intéressant parce que la cinématique suit le rythme, la bataille suit le rythme du 1v1 en fait. Et ça montre vraiment l'importance de leur leader sur le plan mental et moral. Je ferai une analyse complète de la cinématique complète, puisque j'avais commencé avec le trailer, cinématique d'Inarius, tout ça, mais on a la suite du coup. Et donc je ferai un de ces quatre, une analyse complète, pas tout de suite, mais j'en ferai une aussi. Et en l'occurrence, eh bien le... Je trouve cette cinématique magnifique. Elle est très très belle d'un point de vue visuel, d'un point de vue poétique, d'un point de vue thématique et tout. Elle est vraiment très bonne. Avec l'idée que quand un des deux commandants va bien, son armée va bien. Et quand il commence à tomber, eh bien, l'armée suit justement son passé, suit son chemin. Et ça, c'est super intéressant. Surtout une armée de zélotes comme celle de la Cathédrale de la Lumière. Si Inarius va mal, on peut comprendre qu'ils aillent mal aussi.
Au final, eh bien, la fin de Diablo 4, Inarius est tué par Lilith. Finalement, la pierre d'Astaros, qui avait été brisée et reconstruite pendant l'acte 5, va servir à enfermer Mephisto, qui était en train de se reconstituer aux enfers depuis qu'il a été libéré de la pierre d'âme noire dans Diablo 3 Reaper of Souls. Et l'avertissement, encore une fois, tout Diablo 4 n'est qu'un avertissement constant et répété de Lilith, qui évoque le fait que les seigneurs des enfers reviendront, et quand ils reviendront, ça va chier. Donc il faut se préparer, il faut que l'humanité se prépare à les affronter, parce que clairement, ils ont les crocs. Et c'est l'humanité qui va payer les pots cassés. Donc l'avertissement de Lilith va être entendu, même si pas appliqué, puisque au final, le plan initial était d'enfermer Lilith dans la pierre. Finalement, on ne va pas enfermer Lilith dans la pierre, mais on va enfermer Mephisto dans la pierre, ce qui est assez rigolo, puisque la pierre à la base avait été faite pour enfermer l'un des lieutenants de Mephisto. Finalement, elle a été réparée, renforcée, donc on en profite pour en faire une pierre d'âme de Mephisto, ce qui est assez rigolo parce que du coup la pierre devient bleue à l'image de Mephisto. Et on découvre aussi que du coup Nerel plante la pierre d'âme de qui à la base était la pierre d'âme d'Astaros dans le crâne de Mephisto au moment où il est vulnérable, et au final eh bien elle-même va être corrompue, tel le porteur, tel Aidan dans Diablo 2, qui devient la rôdeuse noire entre guillemets. Nerel, elle va fuir avec la pierre d'âme de Mephisto en évoquant le fait qu'elle ne veut pas qu'il arrive des tragédies à cause d'elle, etc., autour d'elle, et que les personnes à qui elle tient, elle ne veut pas les faire souffrir et les voir mourir, comme elle a pu perdre sa mère avant. Et donc c'est pour ça qu'elle va choisir de s'exiler. Et au final, on tue Lilith aussi, qui rappelle, avant de mourir, qu'on aura besoin d'elle un jour ou l'autre, de toute façon. Et donc le retour des trois semble inévitable, notamment Mephisto en tête de gondole, hein, parce que c'est lui qui est carrément dans la pierre, et que Nerel est libéré. Au final, conclusion, Lilith est à l'image de ce que j'attendais d'elle, hein, vraiment, personnage extrêmement charismatique et intéressant, personnage gris, à l'image de sa couleur de peau, elle est grise, comme Michael Jackson, mais elle est super intéressante, puisque le perso en lui-même a des bonnes intentions pour les humains, mais d'un autre côté veut nous utiliser, elle n'hésite pas pour faire une omelette à casser des œufs, et les œufs... même si elle veut véritablement aider l'humanité. Et elle confirme aussi à demi-mot dans l'acte 6 que elle confirme notre statut de Néphalem, même si bon, on va pas se mentir, nous sommes dans un contexte guerre du péché, il est évident que notre personnage de Diablo 4 semble être un Néphalem, et la conversation avec Lilith le confirme à demi-mot, même si c'est pas fait à 100% forgé dans la gravé dans la roche, c'est quand même clairement supposé que nous sommes que le joueur est un Néphalem dans Diablo 4, et qu'on aura besoin d'elle tôt ou tard contre les seigneurs des enfers. Donc ça c'est assez intéressant, et on pourrait la voir nous parler sous forme de vision et autres, avec la connexion du sang qui était un moyen déjà dans Diablo 4, mais qui risque de continuer dans les extensions. Et je pense qu'en fait cette connexion vis-à-vis du sang est un outil scénaristique très pratique, mais qui pourtant marche très très bien avec l'idée qu'on a bu à notre insu du sang de Lilith, et du coup on a une connexion vis-à-vis d'elle, et qu'elle puisse nous parler, qu'on puisse... Contrairement à Thaïssa, où elle a toutes les réponses qu'elle ne devrait pas avoir, cette astuce scénaristique simple, qui est qu'on ait bu du sang de Lilith, qui nous connecte à elle, nous permet de savoir où on doit aller. Ça, c'était une très bonne idée, je trouve, très simple, et pourtant très bien, pour avancer dans l'intrigue de Diablo 4. Finalement, un autre personnage que j'ai pas évoqué, ou très peu jusqu'à présent, et que je trouve génialissime, c'est Mephisto. Mephisto dans Diablo 4 est incroyable. Voilà pourquoi c'est mon seigneur des enfers préféré. Je l'adore. Popo, papa, il est incroyable. Papa Mephisto, il est extraordinaire. J'avais très très peur qu'il soit mis de côté, qu'on privilégie un Diablo, d'où ma vidéo « Est-ce que Diablo sera dans Diablo 4 ?» J'avais très peur que, encore une fois, soit Diablo le méchant final de Diablo 4, tout ça, tout ça. Et que, eh bien, pas du tout. Et j'avais peur aussi qu'au final, Mephisto, alors que c'est le père de Lilith et tout, ça a été juste le poste parfait, mais qu'il fasse le choix de Diablo, Diablo, parce que Diablo, 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 Diablo. Et non, Diablo 4 a eu les couilles, au moins sur cet aspect-là, de ne pas faire du Diablo 2 ou du Diablo 1 et de mettre Diablo en boss de fin. Non, pour une fois, un Diablo. Alors, Diablo Immortal l'a fait aussi, même si, bon, Skarn, c'est l'Astaros de Diablo, Skarn. Mais.
Ils ont eu les couilles de mettre Mephisto en tête d'affiche, même si on l'affronte pas au final. Il est présent du début, puisque la cinématique d'intro, c'est lui le loulou. Et au final, loulou, il est incroyable jusqu'au bout, Mephisto. Et bah, il arrive, il continuera là. Peut-être que sera la prochaine extension, peut-être pas, mais Mephisto reviendra sous les traits de Nerel. On verra comment ça se passe, mais c'est juste génial. J'avais vraiment très très peur qu'il se fasse éclipser, soit par Diablo, soit par Baal, hein, parce que dans Diablo 2, il s'est fait voler la vedette par les deux. Soit on s'arrête à Diablo 2 tout court, et c'est Diablo le boss final, soit c'est vous incluez le Lord of Destruction, et à ce moment-là, bah, c'est Baal le boss final, et qui a son acte vraiment très très gros et tout. Donc, c'est vrai que Mephisto, pour moi, il avait été un peu expédié très vite. Dans Diablo 3, c'est pareil, on n'en parle pas. Donc j'avais très très peur. Et là, non, vraiment, c'est lui qui est mis sur le devant de la scène. Et ça fait très très plaisir. Plus stylé que jamais. C'est vraiment le papa. Et donc, avec les visions, avec le loup et tout, c'est juste génial. C'est génialement amené, en fait. Et donc, bah, affaire à suivre vis-à-vis de Nerel, affaire à suivre pour Mephisto. Et ça ne fait que annoncer, encore une fois, le retour des sept seigneurs des enfers. Qui sèmeront la mort et la destruction sur leur chemin, un gros rappel de l'exil noir, bien entendu. Il va falloir les choper. Et même Andariel et Duriel, qu'on a déjà vu dans Diablo 4, risquent de revenir eux aussi. Alors, est-ce que ce sera les 7 ensemble contre l'humanité qui ferait bouger à ce moment-là peut-être les anges, les cieux aussi? On se pose beaucoup de questions vis-à-vis des Anguirus. Ou est-ce que ce sera que les 3? Parce qu'on nous rappelle que c'est surtout les 3 qui font peur. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un truc, par exemple une union des 4 contre les 3, avec les Lesser Evils, donc les Seigneurs des Enfers mineurs, Lilith, Andariel, Asmodan et Belial, qui nous aideraient presque contre Diablo, Baal et Mephisto? En tout cas, ça va être très intéressant. On aura besoin de Lilith, probablement, qu'on devra ramener l'erreur qu'on a faite d'avoir buté Lilith, de la ramener pour qu'elle nous sauve de la situation terrible des Seigneurs des Enfers. Donc, ça va être très intéressant de ce point de vue-là, ça, on devrait avoir des choses intéressantes, sachant que du côté de la cathédrale de la lumière, c'est pas terminé non plus, parce que même si Inarius est mort, on ne sait pas, potentiellement il pourrait revenir lui aussi. Vidéo sur le cycle de réincarnation des anges et des démons. Au final, on sait que Prava a survécu et que la cathédrale de la lumière, malgré la mort d'Inarius, continue de se radicaliser. Il risque de péter un plomb. Donc on devrait avoir aussi affaire à suivre sur les prochaines extensions, sachant qu'elle elle s'est mise à traquer les Oradrim parce qu'elle les juge responsables de la défaite d'Inarius. Et sachant que on a aussi une info qu'on a perdu un peu de vue, c'est Tyrael. Tyrael, on sait ce qu'il en est, Tyrael. Tyrael est présent est évoqué dans Diablo 4. Il aurait quitté l'Oras parce qu'il avait une mission sacrée à faire, une mission extrêmement importante. On ne sait pas quelle est la teneur de cette mission, mais il devait chercher un truc. Donc ça va être important de savoir où est Tyrael, s'il a survécu, si quelle est cette mission importante qui fait qu'il a délaissé l'Oras et qu'il n'était pas présent dans Diablo 4, parce que Lilith, ça semble quand même être une grosse menace aussi. Donc ça va être intéressant. Pour le coup, les Néphalèmes de Diablo 3, on n'a pas d'infos, ou très peu, voire pas du tout. Donc c'est un petit peu triste et certains évoquent le fait que donc ça aussi c'est un point faible de pas parce que les Néphalèmes de pas savoir ce qui leur est arrivé et pourquoi ils sont pas là à Diablo 4, c'est quand même dommage. Maintenant, j'ai vu une grosse critique de joueurs à l'égard de Diablo 4 qui estiment que Diablo 4 n'est qu'un tease vers une extension parce qu'il faut se faire de l'argent, tout ça, tout ça. Je trouve cette critique absolument injuste. Pourquoi? Je pense que c'est très important d'être mesuré. Moi, je veux bien que cette critique soit émise. Si c'était pas le cas dans Diablo 1, 2 et 3, du coup. Sauf que bon, Diablo 1, c'est un putain de tease vers Diablo 2. Diablo 2, la fin de Diablo 2, c'est ah, en fait, Marius, et Baal est là, Baal s'occupe. Donc, la fin de Diablo 2, c'est complètement même. Regardez, il y aura la suite dans l'extension. Au final, à ce niveau-là, c'est Diablo 3 qui est le moins salaud. Et encore, il y avait du teasing pour Reaper of Souls. Mais c'est celui qui était le moins salaud. Et c'est celui qui a été le moins bien accueilli. Donc là-dessus, je trouve les joueurs extrêmement ingrats. Parce que Diablo 4, bah, ne fait que reprendre du Diablo 1, 2 et 3 pour teaser la suite. Oui. Et l'idée que Diablo 4, on ait plus plein d'extensions petit à petit qui soient bien bichonnées, travaillées, avec plein de récits à raconter pour la licence Diablo, personnellement, je vois pas en quoi c'est un mal. Mais, genre, enfin, je veux dire, ne fait que respecter le cahier des charges d'un Diablo, en fait, hein, pour le coup, Diablo 4. Donc, là-dessus, je trouve que cette critique est totalement injustifiée. Ouais, parce que, ou alors, cette personne, enfin, si vous faites partie de cela, bah, dans ce cas, vous avez détesté, enfin,
vous considérez que Diablo 1 c'est de la saloperie parce que ça teasait Diablo 2 et que Diablo 2 teasait Lord of Destruction. Mais ça m'étonnerait que vous raisonniez comme ça. Donc je trouve ça extrêmement injuste et ingrat. Mais bon, là-dessus, je me devais de répondre à cette critique. Et au final, bah, une histoire, on a envie quand même qu'il y ait des suites et que ça continue. Donc en soi, je vois pas où est le problème, sachant que oui, c'est un gros morceau de l'histoire. Et au final, de se battre contre Lilith, c'est petit à petit, ça risque de très bien vieillir aussi, parce que on se rendra compte qu'on a fait une erreur. Qu'on a peut-être été un petit peu trop tunnel vision sur le fait que Lilith est un démon, mais que peut-être elle avait des choses à proposer, qu'elle disait pas que des conneries, on va dire. Donc, ensuite, une vraie critique, je trouve, à émettre sur Diablo 4, c'est les interactions de classe vis-à-vis des événements que je trouve catastrophiques. Alors, là aussi, je vais prononcer des paroles qui font mal. Diablo Immortal s'en sortait bien mieux. Mais alors, vraiment bien mieux. Donc, Diablo Immortal est probablement le meilleur à ce niveau-là, d'ailleurs, en termes d'interaction race-classe. Qui a toujours été un des gros problèmes de Diablo, je trouve, de la licence Diablo, dans les hack and slash. Ton personnage, Osef, quoi, par rapport à ce qui se passe, c'est Osef. Dans Diablo 4, ton personnage dit des trucs, mais en fait, si c'est un barbare, un nécromancien et tout, ça change rien. Vous allez avoir, personnellement, j'ai joué Rogue. Donc c'est vraiment là où j'ai fini le jeu, etc., en Rogue. J'ai joué toutes les classes sur la bêta, et Nécro, j'avais fini l'acte 1. Concrètement, bah en fait, que tu joues Rogue, Barbare ou Nécro, ça ne change rien. Pour la Rogue, j'ai une ligne spécifique au fait d'être Rogue. Alors, en dehors de la quête de classe, c'est une ligne spécifique vis-à-vis de l'acte 3 et de l'œil aveugle, justement. Mais c'est genre... Elle dit un truc du genre, tant que l'une des nôtres survivra, l'ordre restera pour l'œil aveugle, tout ça, pour la sororité de l'œil aveugle. T'es en mode, waouh. Enfin, je veux dire, elle voit l'œil aveugle, elle voit le vol de l'œil aveugle et tout, elle devrait dire, enfin à la fin on se balade avec l'œil aveugle, dit quelque chose, c'est la relique sacrée de ton ordre. Genre, elles se disent, dans Diablo Immortal, vous les voyez les rogues, elles se disent que par l'œil aveugle, etc. C'est dans les formules, c'est le truc sacré des rogues. Donc elle balance ça normal en mode YOLO, enfin elle dit rien, ça me fait péter un plomb. Mais le pire, parce qu'il y a aussi les druides vis-à-vis de Skos Glen, les barbares pour 2-3 trucs de Khed Bardou, les sorciers vis-à-vis du Kyrgyzstan. Mais le pire, c'est nécromancien. Diablo 4, c'est l'opus qui le met le plus en avant, le lore nécromancien. Vous avez Ratma lui-même vivant. Vous avez Ratma vivant. On va dans son laboratoire et ensuite dans sa bibliothèque. Deux endroits des plus sacrés pour des prêtres de Ratma. Et ils disent rien. Le nécro dans l'acte 1, il dit « Oh, tiens, l'air me semble familier. » Mais évidemment que c'est familier, tête de pine. L'autre a fait de la nécromancie devant toi. T'es gardien de l'équilibre entre les morts et les vivants. Il y a une connasse qui agite son grimoire et qui réanime sa mère. Mais fais quelque chose, dis quelque chose. Et t'es devant Ratma, dis quelque chose, putain. Genre, j'avais envie de les gifler, les nécros. C'est pas possible. Et ça c'est une vraie, vraie, vraie tristesse, je trouve, de pas avoir d'interaction spécifique. C'est une catastrophe. On est devant, on voit Tragoul. Tout va bien. Genre, en fait, non mais... C'est pas possible de faire ça. Pour continuer dans les impressions finales de Diablo 4, les musiques sont excellentes, je trouve, de manière générale. Alors ça, c'est très subjectif, j'en suis conscient. Elles sont excellentes de manière générale. Et surtout, je trouve, le plus important pour savoir si une musique, le plus objectif possible, pour savoir qu'une musique est bonne ou pas, pour moi, c'est est-ce qu'elle retranscrit ce que vous voyez à l'écran, est-ce qu'elle retranscrit la zone, et est-ce qu'elle est... comment dire, reconnaissable pour la zone, est-ce qu'elle ressemble à une autre musique et tout, et je trouve que là-dessus c'est très bien réussi, les ambiances sont bien respectées, les thèmes musicaux plutôt sont différents vraiment entre les pics brisés, les steppes arides, le Kyrgyzstan que vous entendez à l'oreille là, je trouve que c'est très bien fait, et il y a aussi des thèmes extrêmement mémorables, par exemple, pour faire un comparatif avec Dragonflight, je trouve les musiques très cool, très appréciables, mais il n'y en a aucune qui me reste en tête en mode ça c'est le thème de l'extension. Et en l'occurrence, eh bien, avec Diablo 4, j'ai quand même au moins quelques musiques, notamment le thème de l'hélice évidemment. Vous avez l'un des thèmes les plus marquants, c'est celui de la cathédrale de la lumière dans la cinématique que vous entendez actuellement. La musique de Donan, elle est superbe. Et ensuite, il y a des musiques de ville, la musique de Kyo Vashad. J'ai beaucoup aimé la musique de Zarbinzet qui me rappelle beaucoup du Heart of the Swarm de StarCraft.
On a des musiques, on peut dire, ah oui, celle-là, je vois, elle est extraordinaire. Donc, à mon sens, Diablo 4 a bien réussi au niveau de ses musiques. Et ça, par contre, c'était pas forcément simple parce que les musiques de Diablo 1, Diablo 2 sont connues, notamment la musique de Tristram. Diablo 3 a fait des musiques exceptionnelles, donc passer à côté, c'était pas, enfin, passer derrière ça, c'était pas simple. Même Diablo Immortal, hein, nous a produit le thème de Valhalla, il est incroyable. Donc, c'était pas simple. Et au final, Diablo 4 s'en sort très très bien, je trouve, à ce niveau-là. Pour ce qui est des cinématiques, pareil, la musique marche très bien à ce moment-là. Pour ce qui est des cinématiques, j'ai vu des critiques sur les cinématiques en mode deux CGI, c'est bien, mais c'est peu. Quand on est habitué à Diablo 2, une cinématique par acte, Diablo 3 pareil, et Diablo 3 avec la CGI superbe et tout, deux cinématiques pour 6 actes, c'est pas beaucoup. Critique que j'entends. Bon, maintenant je trouve que cette critique a été émise par des personnes qui ne s'intéressent pas forcément au lore aussi, donc. Enfin, les cinématiques, elles sont là pour raconter quelque chose, hein. Si tu t'intéresses pas au lore mais que tu veux une cinématique, désolé, mais je vois pas trop l'intérêt. Ben, je trouve que c'est un peu de mauvaise foi à ce moment-là. Si vous vous intéressez pas au lore mais que vous voulez une belle cinématique, c'est. Après, bien sûr, chacun apprécie différemment les trucs, mais quand même, c'est un peu contre-productif, je trouve. Mais pour le coup, certes, on a que deux CGI, mais alors faut voir la gueule des CGI. Probablement les deux des plus belles cinématiques que Blizzard n'ait jamais faites. On a la cinématique la plus intense en termes de combat qu'on ait jamais eue. Commencez pas à chercher ailleurs, hein. Généralement, si vous regardez dans une cinématique Blizzard, le moment où ça va se bagarrer, c'est écran noir fondu, logo. Diablo 2, Balk envoie les armées de la destruction devant Arrogas, pas Arrogas, devant Secheron. Hop, fondu Lord of Destruction. Vous avez Warcraft 3 en mode l'armée orque, enfin l'armée de la Horde contre les armées de l'Alliance. Hop, Reign of Chaos. C'est toujours comme ça. Hein. Battle for Azeroth, on voit un petit peu de combat, un petit peu. Puis ensuite, le moment où il y a le gros affrontement, hop, Battle for Azeroth. Là, on voit un vrai conflit, un vrai bagarre, une bagarre très longue en plus. Et en CGI, une bagarre longue, ça coûte très cher. Et vous allez me dire, on a déjà vu des 1v1. Oui, mais bah à ce moment-là, c'est du 1v1, comme le combat Bolvar-Sylvanas. Un combat, une bataille d'ampleur comme ça, avec des combats ensuite aussi en 1v1, etc., c'est soit l'un, soit l'autre, rarement les deux. Et c'est souvent coupé, on voit pas grand-chose. Par exemple, on voit des tirs de flèches, mais on voit pas où vont les flèches. Là, on voit où. On voit le combat, quoi. On voit vraiment la bataille. Et ça coûte. Je crois qu'ils en ont parlé, ils ont mis un an à produire cette cinématique, et c'est pas étonnant, quoi. Vu le. Alors, c'est un an pour 6 minutes, mais 6 minutes, clairement, tu vois qu'il y a eu du taf, hein, dessus. Donc. Et d'un autre côté, ça a été l'occasion aussi de faire en sorte qu'il y ait des cinématiques in-game avec un moteur de jeu magnifique qui permet de mettre en avant votre personnage. Mais d'un autre côté, le personnage, bah, ne dit rien vis-à-vis de sa classe par rapport à l'univers. Ça, c'est très contre-synergique, je trouve. Mais honnêtement, c'est l'une des meilleures mises en scène des jeux Blizzard. Pour moi, il n'y a que StarCraft 2 qui peut l'égaler en termes de mise en scène. Mais Diablo 4, pour moi, est le meilleur jeu Blizzard en termes de mise en scène. Ils ont atteint un palier qui est incroyable à ce niveau-là. Et les cinématiques avec le moteur in-game, je trouve, sont très satisfaisantes et nous permettent d'avoir une. Parce que le problème dans Diablo, c'est que la mise en scène et la narration arrivaient. Il y avait un peu de texte et tout, mais globalement, il fallait attendre une cinématique et ensuite plus rien. Là, justement, eh bien, tout au long du jeu, on a cette mise en scène, cette narration, ces quêtes, ce récit vis-à-vis de. Et ça marche bien. Il y a des cinématiques avec le moteur in-game qui fonctionnent superbement. Je pense à Lilith avec Astaroth, Lilith qui voit Donan, la cinématique d'intro d'Inarius dans l'acte 1. Enfin, on a des cinématiques vraiment sublimes. Donc là-dessus, je pense que le pari est réussi et enfin on a une super mise en scène pour l'univers qui le mérite, un univers qui le mérite. Et Diablo, bah, jusqu'à présent, c'est vrai que c'était compliqué en mise en scène. Donc personnellement, je suis très satisfait de Diablo 4, même si j'en ai beaucoup parlé, hein, ça va faire 2 heures de vidéo. Il y a aussi des points noirs, mais de manière générale, on est sur un événement, j'allais dire un élément très positif, des éléments très positifs, mais vraiment un événement, Diablo 4 pour moi. C'est l'opus clairement de la licence Diablo. Et j'ai hâte de voir la suite parce que ils ont mis la pierre vraiment très très haute. Et j'entends bien sûr qu'en termes de gameplay, sur le endgame, etc., il y a des choses qui peuvent être décevantes. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe, c'est l'univers, c'est l'histoire, c'est l'intrigue, etc. Et à ce niveau-là, le pari, pour moi, la tâche a été remplie. Clairement, ils ont répondu présent. C'est pas parfait, mais c'est du très bon.
Et c'est Diablo 4 et de très bonnes factures. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo et aussi à la tournée, hein, comme vous le voyez. J'espère que ce sera quand même à la hauteur de vos attentes et que vous aurez passé un bon moment. Merci à tous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de Diablo, bien sûr. Il y a pas mal qui sont sur le... qui sont au programme. Comme je le disais, vidéo sur la hiérarchie et les guerres civiles infernales et hiérarchie des enfers. On parlera d'Astaroth, etc. Mais aussi, bien sûr, la vidéo sur le Zakarum et les paladins. Mais il faut que j'avance un petit peu aussi sur les quêtes secondaires. J'ai toujours prévu la vidéo de géographie, mais je veux finir les quêtes secondaires, pas me spoiler à ce niveau-là et autres. Et je ferai, quand j'aurai fini les quêtes secondaires, aussi un petit point sur les quêtes secondaires de Diablo 4. Voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus! Oh là là, c'est incroyable! Il a dit du bien de moi! C'est moi, le loulou! C'est moi, papa! Et maintenant que Fifi a été retrouvée, je vais pouvoir me libérer! N'aie pas sur les réseaux sociaux. Bisous.